alive. Et bonsoir à tous. Alors attendez, hop, petit switchage. Bonsoir CLT63, je dois écorcher ton pseudo, je suis désolé. Et bonsoir Alkaïr. Alors attendez, je fais un truc, je suis... baisser le son du... de la vidéo de musique derrière. Alors attendez, comment je vais m'arranger mon truc? Là, je pense que là c'est bon, ça doit pas être trop fort. Bonsoir Kargan, bonsoir Arnaud.
Arnaud tout court, je vais pas dire le chiffre derrière, je suis fatigué donc je vais même pas essayer de prononcer un gros chiffre. Ah ouais, fin de semaine, et c'est malheureusement un des derniers streams que je pourrais faire avant, malheureusement bien longtemps, je pense. Je pense, parce qu'en fait le truc c'est que demain, dernière soirée avec les potos, parce que. Bah parce qu'en fait on va se lâcher. Pour beaucoup, on va se lâcher. Là, on part tous au moins en 4 mois de stage et il y en a plein après qui vont partir pour les 2 prochaines années à l'étranger, finir leur diplôme. Du coup, c'est la fin, malheureusement. Les larmes dans les yeux. Bref. Du coup, demain, pas de stream, malheureusement, je serai occupé. Du coup, j'en fais un ce soir gentiment et je sais pas si je pourrai en faire la semaine prochaine parce qu'il me reste mes derniers partiels. Game Dev Tycoon for the stream. Oui, bon, peut-être. On verra bien. Je regarde un petit peu le. Estropole. Oh putain. Ok, il y a un ex-écho. Il y a un ex-écho, malheureusement. Comment on va faire cette histoire? Bon, s'il y a des gens qui n'ont pas voté, je vais mettre ça dans le chat. Ça sera déjà plus simple. Alors, je vais attendre 5 secondes le temps que ça arrive jusqu'à vous. Hop, je le mets. Oh, ça met même le poll. Oh, c'est super. C'est lié à Twitch. C'est le Stropole, cette entreprise en architecte et banni ce que ça se bat. Et voilà, c'est la grande question, parce que j'aime bien les deux, très honnêtement. Et puis à un moment, j'ai vu les votes, c'était affreux. À un moment, il y en avait 4 qui étaient ex aequo, je faisais putain. Attention, demain tu sais où la soirée commence, mais gaffe à comment elle se termine, histoire de pas finir avec une belle à talons dans ton lit en mode grosse gueule de bois. Oui, mais je pense que je pourrais pas parce que j'ai quand même des trucs à faire. Prison architecte, ok, mais on fait un camp de concentration. Un goulag, c'est mieux, on est parti sur des streams communistes, autant partir sur un camp de concentration, j'ai envie de dire. Bien, du coup, est-ce qu'il y a eu un nouveau vote? Non. Comment on va faire? Tirer au sort, ça m'emmerde parce que je sais pas, le sort c'est toujours mauvais. Et 11 votes. T'as dit quoi? 3, 3, 6. Oui, il y a bien 11 votes. Très bien. Comment on fait cette histoire? On tire au sort ou on attend qu'il y ait quelqu'un qui finit par voter? Ah! Il y a eu un nouveau vote. Prison Architect est passé devant. Très bien. Ce sera Prison Architect. Ça sera Prison Architect, à moins que ça change dans les 5 prochaines secondes. Nice. Nice. Eh ben c'est parti. Je change ça. C'est Prison Architect. Mettre à jour les infos, c'est bon. Eh bah très bien, pour des goulags meilleurs, c'est parti. Est-ce que je l'ai installé? Normalement, j'ai installé tous les jeux de gestion au cas où. Oui. Par contre, je crois qu'il y a eu des mises à jour. Je suis pas sûr que on va pas avoir des petits soucis. Bon, on verra bien. D'un vodka dans Gotnik, quoi. Alors. Oula, 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 Steam explose. Je vais attendre avant de switcher le truc. Steam était en train de mourir. Ah! La question. Ah, attendez. Hop, hop. Pour en récupérer. Très bien. La question, c'est est-ce qu'il arrive à capturer. Capture de fenêtre. Ah! Mieux! Très bien. C'est vrai. Du coup, faisons une nouvelle prison. Ouais, hop. Merde, merde, voilà. Faisons une nouvelle prison. C'est pas trop fort, du coup. J'arrive pas à savoir. Ah oui, c'est carrément super fort. Alors, attendez, attendez, attendez une seconde. C'est mieux. Encore un peu fort.
On se fait enculer dans les douches. Ouais, super! Ah non, bah, du coup, là, c'est moi qui n'entends plus rien. Il faut que j'augmente le son dans mon casque. Bonsoir, Claire64. Est-ce que je joue en mode... Va falloir que tu finisses libre. Oui, je vais jouer en mode libre. Mais quoique, non. Non, pas en mode fonds illimités. Enfin, je sais pas ce que tu entends par mode libre. Ça va être le... pas le mode campagne, mais on va pas jouer avec les fonds illimités. On joue avec les fonds illimités ou les fonds limités? Je pense que... pas l'argent infini, c'est moins drôle. Enfin, y a un autre jeu qui se crée, évidemment, mais on est quand même là pour faire de la gestion, pas pour faire des trucs trop simples. Donc, brouillard de guerre, oui. Forêt. Et pas la langue, je me souviens bien. Peux pas le mettre en français. Je l'ai pas mis en français à un moment? Ah, si, language. Voilà, c'est mieux. Créer une nouvelle prison. Bien. Brouillard de guerre. Sur une grande carte. Jamais une grande carte. Brouillard de guerre. Oui. Peur aléatoire. On est sur un goulag. Donc, disons qu'on est en Sibérie. Très loin. Donc, forêt. Des lacs, parce qu'il doit y avoir des lacs. Bâtiment aléatoire. Oui, parce que c'est la bonne Russie. La bonne URSS avec des bâtiments gris partout. Condition d'échec, un défi additionnel, vous serez renvoyé. Ah oui, mais on sera renvoyé dans un autre goulag si on se rate. Gang. Oui. Allez. Événement. Oui. Météo et température. Oui. Chauffage en considération. Waouh, dur. Activer les besoins personnels signifie que les gardes auront besoin, entre autres, de nourriture et de repos pour faire leur travail correctement. Oui. Fonds illimités. Non. Activer les outils et cheat codes. Non. Oh, dur. Ça va être vraiment dur. On va bien voir. Du coup, goulag de femmes ou goulag d'hommes? Dites-moi. Dites-moi, c'est vous qui décidez. En attendant, je vais regarder ça. Le directeur, l'individu le plus équilibré de la planète, il fait juste son travail, les gens l'appellent simplement le directeur. Ok. Le beast a des amis haut placés et tente toujours de recevoir que les prisonniers les plus dociles. Réduit de moitié les chances de recevoir des prisonniers violents, instables, immortels ou bagarreurs. Femme, c'est le spire? Pas trop compris là. Donc ça c'est plus facile s'il y a moins de prisonniers bizarres. Réduit de moitié les chances de recevoir des prisonniers stoïques ou impavides. Impavides. Alors ce mot, j'ai dû le lire 3 fois dans ma vie. Alors quant à l'utiliser. Qui n'éprouve ou ne montre aucune crainte. Aucune craigne. Crainte, crainte, crainte. Qu'est-ce que je dis? Bref. D'accord. Les prisonniers sont matés 2 fois plus vite. Ah oui, c'est la femme dominatrice, complètement. Des rumeurs disant qu'elle porte un fouet sont peut-être exagérées. Mais des hommes. Bah, je mettrai des hommes si tu veux. Ah, la femme, c'est le pire. J'avais pas compris. C'est hyper violent entre les femmes, je suis d'accord. C'est violent différemment en fait. Parce que les hommes, c'est des brutasses. D'une manière générale, il y a pas mal d'hommes, c'est des bonnes brutasses malheureusement. Mais c'est différent chez la femme. Ça peut être très violent, mais c'est pas très violent dans le physique. Les chiens et les gardiens ont 50% de chance de se mettre totalement à jour le tout tunnel qu'ils détectent. Hein, c'est pas mal ça aussi. Réduit la tension globale dans votre prison, rendant ainsi tout grabuge moins probable. Et. Alors, elle a un nom russe, donc si on est parti pour faire un goulag, j'ai envie de dire, autant prendre la dernière, rapporte une petite part de la valeur de revente de chaque article contrairement découvert. Tout prisonnier surpris avec la comprenante recevra payer une amende de ses économies. Bonsoir, Tivo du couscous, j'adore ton pseudo, c'est génial. T'as raté le début, non, t'as pas raté grand-chose. Pour l'instant, je suis en train de créer la prison, il n'y a pas de souci. On a juste choisi le jeu, évidemment, et là, on est en train de créer la prison. On est parti pour faire un goulag, donc j'ai envie de dire... J'ai envie de dire, s'il y a un personnage qui rentre bien là-dedans, c'est pas le directeur, c'est pas le lobbyiste, c'est pas Rita. Quoique Rita. À la limite, Rita. Elle me fait penser à un personnage de la BD 13, qui est une russe aussi. Je sais pas si vous l'avez lu, la BD 13 de Van Ham. Scénarisé par Van Ham et dessiné par je sais plus qui.
qui est une super BD qui a donné la série des films Une balle dans la peau, La mort dans la peau. Je crois des trucs comme. Il y a une trilogie avec Matt Damon. Et voilà. J'ai voté Joe de la prison, je suis content du coup, bah super. Et donc, du coup, dans cette BD, il y a un personnage qui, je pense, qui est très cliché de femme un peu virulente, un peu forte de l'URSS, mais tout en étant extrêmement féminin, et qui est un personnage lesbien d'ailleurs, et un peu porté sur le sadomaso. Qui est un personnage antagoniste du héros. Là, on est sur le cliché du Marines, le pacificateur, c'est moi. Et Sapara Aknova. Bon, bah, j'ai envie de dire, on va partir pour Sapara Aknova. Katsuni. Non, non, c'est pas Katsuni. bon. Allons-y. Grande. C'est bon. Allez, on est parti. Pour des hommes. Alors, Popoz. Bien, nous avons une grande prison. On va lire la lettre du PDG, s'il vous plaît. Ok, félicitations pour avoir réussi votre première formation. La mémoire dans la peau, la mort dans la peau, la vengeance dans la peau. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Ce sont des très bons films d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup. C'est des Jason Bourne. Et donc ça a été inspiré par 13 essentiellement, je pense. Parce que c'est exactement le même scénario. En tout cas au début. Directeur, machin, oui, bah ça je connais. Acceptez votre première subvention, si je vais en avoir besoin. Appuyez sur le bouton en bas à droite de l'écran. Ah oui, rapport, d'accord. Bien. Centre de détention de base. Construire une cellule d'attente, une douche, une cour, une cuisine, une cantine, deux gardiens, deux cuisiniers, centre administratif, des bureaux. Connais pas. Eh ben tu devrais, c'est un peu une vieille BD par contre, effectivement. Elle devait sortir dans les années 80-90, donc c'est un peu vieux. C'est fini depuis longtemps. Santé et bien-être des détenus, et là, infirmerie, au moins deux médecins, et bien-être du personnel. On s'en fout du personnel! Bon, un centre de détention de base, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis des bâtiments en plus et des lacs. Waouh, ça va être tout sauf simple, j'ai l'impression. Je me suis mis un peu en mode de... bien dur. Donc, deux bases sécurité, domaine de sécurité, HS électrique pour les récalcitrants. Totalement, on va partir sur la prison de la mort, vous allez voir. Ah oui, mais c'est vrai qu'il faut l'administration d'abord. Bien. Bon, j'ai envie de dire, on va commencer par ça déjà. Donc, j'ai 50 000 de flouze. J'ai 50 000 de flouze. Ah, putain, faut que j'apprenne à rejouer au truc. Faut que j'apprenne à rejouer au truc. Non, c'est pas démolir, c'est. Objet. Comment ça marche là? Merde, je sais plus jouer. Ah, attendez, ça va me revenir. Pas possible que ça me revienne pas. Ah, c'est ça. Parce qu'il faut les transformer en bout de bois déjà. On va virer les arbres. En plus, ça va me faire de la thune et après, je vendrai tout ça. Allez, c'est parti. Ça va sur le son, c'est pas trop fort, trop faible ou quoi que ce soit? Dites-moi, hein, parce que. Je me rends pas trop compte. J'ai boosté le son de mon casque à fond. Et j'ai un peu tout baissé pour éviter que ça vous écorche les oreilles. Alors, attendez, on va accélérer un peu ça parce que sinon on va pas y arriver. Vous entendez pas le son du jeu. Hop, j'ai coupé la musique derrière. Est-ce qu'il y a de la musique aussi ici? Audio. Ah, il y a un peu de musique. Pas que ça m'arrange les oreilles non plus. Est-ce que là vous entendez quelque chose? Dites-moi. Après tu as le 4 plus ou moins avec Jason Bourne, l'héritage. C'est celui avec, comment il s'appelle, l'acteur qui joue Hawkeye chez les Marvel. Ah! Jeremy Renner! Avec Jeremy Renner. Ouais. Il joue dans Jason Bourne Heritage, si je me souviens bien, qui est pas un super film, très clairement, j'avais pas trouvé ça ouf. Et après, je crois qu'il y a un nouveau Jason Bourne qui est sorti il y a pas longtemps, je l'ai même pas regardé. Ok, donc là ils sont en train de tout démolir. Ils sont en train de tout démolir. S'il vous plaît.
Peut-être que je vais avoir besoin d'un peu plus de... de personnel. Ok. Les ouvriers. Ensuite, comment on va faire notre goulag? Ça, c'est la grande question. Comment on va faire notre goulag? Comment... qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aurais tendance à faire comme d'habitude, c'est-à-dire... ah oui, mais là, j'ai pas de, du tout de zone disponible en bas. Je peux rien construire sur ces zones-là, évidemment. Donc, j'ai toute cette zone-là qui est niquée. Toute cette zone-là aussi qui est niquée. Entourée de murs, voyons. Oui, je suis d'accord, on va entourer des murs. Mais... va falloir que j'aille chercher le plus bas possible. On va essayer de faire un truc comme ça. La question c'est, est-ce que je fais avec des vrais gros murs ou est-ce que je fais avec des barbelés Ah, j'ai des murs d'enceinte. 200 par mètre. Waouh, 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 pas tout de suite. À gauche le cachot, à droite l'eau. Je sais pas si l'eau, elle est... elle bloque des personnages. Est-ce qu'ils peuvent nager? Je sais pas. Bon, on va essayer. Au pire, ça, on aura des types qui vont se barrer. On va essayer de mettre une clôture, déjà, je pense. Clôturer un peu tout ça. Donc, l'entrée sera par là. Ok. Ça coûte pas trop cher, du coup je pense qu'on va pas trop se priver de construire un peu des barbelés. C'est des barbelés que j'ai pris, hein. Clôture. Oui, c'est la clôture barbelée. Très bien. On va commencer par faire un truc assez grand. On a un peu de thunes. On a un peu de thunes, il est quelle heure? J'arrive pas à savoir, c'est... 2h, PM, reste 17h, c'est bien. Du coup, on va attendre un peu. Une clôture à côté de l'eau, quelle bonne idée. C'est pas une clôture électrique, c'est une clôture tout court. Quoique, je sais pas si on peut aller relier l'électricité, ça serait peut-être une idée ça, tiens. Si, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais je pense pas, ça a pas l'air. On va commencer par faire ça. Et là, c'est du anti-fourmi que tu poses depuis tout à l'heure. Tu sais que c'est possible. Ça m'aurait pas étonné parce que dans le genre étourdi, moi, des fois, surtout quand je fais des trucs en mode YOLO, j'arrive à faire des trucs, mais si tu te demandes comment je peux laisser passer ça. Hein. Ok, j'ai gagné un peu de thune grâce à la vente de bois. Je me transforme en... c'est quoi ça? Des déchets, je me transforme en charpentier, enfin en bûcheron plutôt, donc en charpentier. Bien, ensuite ça va être le mur d'enceinte, mais on va laisser un mur tout simple pour l'instant, parce que sinon ça va être la galère. Donc évidemment, on va commencer par ça. Bon mur d'enceinte, donc ça va doubler la zone. Ça fait une petite salle ici, hein. Je sais pas si je pourrais caler quoi que ce soit. Ensuite, faut que je mette une porte spéciale pour pouvoir... porte d'isolement, nanana, c'est... y a pas des plus petites portes? Isolement, Arnaud, tu penses à cette zone-là ou à la porte que je vais mettre? Ça tryhard ici. Un peu. Je tryhard, je suis à fond là. Non, pour le début, c'est toujours un peu lourd. Il faut faire les premiers baraquements et tout. Oui, dans le petit bout. Ah, d'accord. Ok. Isolement. Oh, c'est pas con, isolement ici. Quoique, je crois que j'ai juste pas la place. C'est... ouais, je sais pas. Si, peut-être. Ouais, j'aurais un peu de perte d'espace en termes d'optimisation, mais c'est pas très grave. Ok, donc là c'est bon. Là la question, je pense que je vais mettre des portes de prison ici. Et... mais non! Zut! On peut pas faire CTRL Z? On peut pas faire CTRL Z? Ah si, j'ai fait CTRL Z. Voilà, c'est bon.
ou un petit bureau pour le personnel type comptable ou autre. Oui, je suis d'accord. Je serais peut-être plus d'accord pour le comptable parce que si je fais de l'isolement, en fait, j'ai besoin d'un mur ici, d'un mur là. Et le problème, c'est que la porte, si je la place ici, ça veut dire que j'ai un mur là. En fait, j'ai des murs là et des murs là. Et là, en fait, du coup, il y a du vide et je peux même pas le remplir avec une nouvelle cellule. Donc, il y a un peu de perte d'espace, mais je pense que... je pense que ça devrait passer avec une pièce de personnel type administration. Pour l'optimiser à fond, il faut 30 prisonniers sur une cellule de 4x4. Oui, bien sûr, je vais y arriver. C'est comme ça que ça va marcher, ma prison. Totalement. Alors, on va... Là, ça va être la porte, d'une manière générale. Donc, comme les grandes portes de prison, on va le mettre en sas. Comme d'hab, parce que j'aime bien cette petite technique. Quoique, c'est peut-être un peu petit. Voilà, hop. Voilà, cette technique, elle est pratique parce que ça fait toujours un sas. Donc, les mecs qui veulent s'échapper par le truc... Des sas, c'est bien. D'une manière générale, des sas, c'est bien. On va commencer par ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut ? Construire une douche, une cellule d'attente, une cuisine, une cantine, au moins deux gardiens, au moins deux cuisiniers. Je serais bien parti pour faire un peu de centre administratif, histoire de faire les bureaux. Peut-être dans cette zone-là. Alors. Bureau. Trop petit, évidemment. Bureau, c'est combien ? 4 par 4. Mais non, c'est pas trop petit. C'est une pièce qu'il faut que je fasse. Donc, il faut que je mette des fondations. Bien. Donc là, on aura un premier bureau d'administration. Ok. Il va falloir que je mette l'électricité. Où est-ce qu'on va la mettre? Attendez. J'en lâchais un peu. Faut que je mette une porte. Porte du personnel. Un portail routier. Wow, je peux mettre des trucs. Alors, nous avons notre sas de fini. Maintenant, va falloir que je fasse pas mal de choses. Par quoi je commence en fait? Parce que va falloir que je fasse d'un coup. On va faire... C'est combien? Salle. C'est quoi ça? Je crois qu'il n'y a pas de salle hein, pour les postes électriques. Par contre, j'ai besoin. Ah, c'est plus la bonne taille. Isolement phallus. En forme. Ah putain, une pièce en forme de phallus. Super. Ça, c'est les bonnes idées, type recueillir. Je crois que c'est ça la bonne taille, 7 mètres. On va dire que c'est la bonne taille. C'est la bonne taille. Bien. On va éviter de foutre le bordel. Que les prisonniers puissent foutre le bordel en rentrant dans cette pièce d'eux-mêmes. Ok. Première pièce finie. Je vais en profiter pour poser. Non, bureau. Pièce. Bureau, chaise, classeur, intérieur. Très bien. Alors, on va faire le truc la moins optimisée du monde, parce que de toute façon, en fait, on s'en fout. Non, attendez, encore mieux. Hop, comme ça, c'est dans la mauvaise direction. Bah là, c'est bon. Je peux même engager un directeur. J'ai mon directeur. Ensuite, faut que je débloque les finances. C'est fait. Phallus, il y a deux L à Phallus, si tu veux. Les finances, c'est bon. Ici, c'est fini cette zone-là. Je vais pouvoir construire le poste électrique. Avec au moins un condensateur. Ensuite, on va faire tirer un peu de câblage électrique. Mais on va attendre que ça soit posé ça. Je vais ensuite faire... Sachant que c'est du 4x4, les... Oula. Ça ramouille un peu. Pourquoi ça ramouille? J'ai un des PC les plus puissants du monde. Va falloir arrêter de me faire ramouiller, s'il vous plaît.
Tu vas les mettre où les couilles? Je sais pas. Après, on peut faire une prison en forme de phallus aussi. Ça sera absolument pas fin, et s'il y a des filles sur le stream, elles vont toutes s'enfuir en courant, mais... Oh, excusez-moi, c'est un phallus. Exactement, je suis expert en bite. Ou alors... Est-ce que ça va pas être un peu de perte d'espace? J'ai besoin de beaucoup. Juste en orchographe. Ah, attendez, je vais avoir besoin d'autres trucs en service. La station de pompage, elle a exactement la même gueule, mais on n'a pas besoin de poser quoi que ce soit autour. Du coup, je pourrais la bourrer dans un petit espace de 3 cases. Ça suffit. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai mis la chaleur. Du coup, j'ai besoin d'une chaudière. La chaudière qui est grosse, comment? Comme ça. Ah oui, donc je peux bourrer au fond. Ouais. On va tenter ça. Je vais tenter un truc de 3x3. De 3. De 3 de large. Pareil, il faut que je mette une porte de prison. Donc là, on a une partie de service. Il me faudra un deuxième bureau. Où est-ce que je vais le mettre, le bureau? Ici, je pense que je vais mettre les admissions. En attendant, c'est une cellule d'attente, c'est ça? Je vais faire quelques cellules d'attente en attendant. Elles ont une taille spécifique ou c'est... Ah putain, j'y arrive plus. Cellule d'attente, c'est 5 par 5. Oh putain de bordel. Hop. Donc c'est du... Faut que j'enlève deux de chaque côté, donc ça c'est du 5 par 5. Putain, c'est toujours perturbant. Ok, donc là, la cellule d'attente, elle va être là. Je fais un peu tout à la fois, c'est le bordel. Les finances dans... Ah ici, il nous manque des trucs. Bien. Service, je vais pouvoir tirer un peu de câblage électrique. Évidemment, jamais dans le bon sens. Ça passe pas là, évidemment. C'est super. Le clash Alain Sorin et le racisme sont niveau 0. Vous êtes parti sur Alain Soral? Mais allez, je sais pas comment vous faites, les mecs. Hein. C'est vrai que j'aurais pu ne pas séparer les trucs en deux. Je suis un peu con. Ouais, c'est con en fait. Je suis quelqu'un d'un peu teubé. Ok, donc ça va. Électricité, c'est bon. Le bureau, c'est bon. Nous sommes en train de déverrouiller l'administration. Engager une comptable. Alors, on va se calmer dans le chat hein, si vous commencez à partir en couille. Calmez-vous. Mais vous les uns et les autres, ça ira mieux. Là, on va faire des bureaux. C'est un poil trop grand, non? C'est une vidéo connue, c'est un... Ah, d'accord, je connais pas. Je suis pas très vidéo d'Alain Soral, donc bon. Ouais, bon. Bah, ça va être ici que je vais mettre les... Ça me fait un peu chier. Je design toujours très mal mes zones comme ça. Du personnel ici. Un culte de l'internet. Exactement. J'ai des lacunes hein, sur internet, je l'avoue. Hein, je l'avoue. Je l'avoue, malheureusement. Tout n'est pas parfait dans mes connaissances. Il m'attaque pas, c'est les répliques de la vidéo. Ok, ok. D'accord. Très bien. Très bien. Je connais pas, du coup, forcément, j'ai un peu de mal à. Apercevoir ce que vous disiez. Peut-être un peu beaucoup. On a compris que tu l'aimes pas, c'est bon. Ouais, je sais pas que je l'aime pas, je sais pas ce qu'il fout. Enfin, je connais deux noms, mais... Je me permettrai pas de dire que je l'aime pas si je ne connais pas ce qu'il fait du tout, tu vois ce que je veux dire? Alors.
On va faire un deuxième bureau et on va engager une comptable, comme ça au moins on aura un peu de... On aura fini son ordre administratif et il me restera 7h48 pour faire tout ça. Ah oui, d'accord, ok, je me suis un petit peu perdu en route. Minimal part... Ok, d'accord. Très bien. Je me suis même totalement perdu en route. La porte c'est bon, le classeur c'est bon, le bureau c'est bon, et une chaise c'est bon. Alors, plus. Ok. C'est parce que la France en a plein le cul des Arabes, bordel. Oh bah dis donc. Donc maintenant, cellule d'attente. Je l'ai fini, j'ai presque fini. Ouh la vache, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ramouille? Attendez, c'est la vidéo qui rame? Non. Pas la vidéo qui rame. Ça passe très bien. Est-ce que c'est mon processeur graphique qui est surchargé? Performance. Putain, ma GeForce GTX 1080 Ti, elle est chargée à 11%. Donc non, c'est juste le... C'est juste le jeu qui est malheureusement un peu codé avec les pieds. Malheureusement. C'est l'attente. Ah oui, d'accord. Échec. Enclos, entouré par des murs et des portes. Très bien. Très bien, très bien. Ça, ça va. C'est tout ce qu'il lui fallait? Ah non, c'est isolement que j'ai foutu. Putain, je suis con. Voilà. Hulle d'attente. Alors... Enclos, intérieur, toilette et banc. Très bien. Toilette. Banc. Service. On va tirer un gros tuyau. Ok. Ensuite, cuisine. La cellule d'attente c'est bon, douche, cours, cuisine, cantine, au moins deux gardiens, au moins deux cuisiniers. Ça, ça va aller vite. La comptable c'est bientôt fini. Le bureau est presque fini. Donc, cuisine. Construction en béton. Alors, on va mettre... C'est marrant, on dirait que plus je zoome, plus ça rame. C'est perturbant. Ce serait plutôt l'inverse. Je sais pas. Donc 1, 2, 3. Je vais essayer de faire des groupes de 3. Enfin des grosses allées de 3 pour les prochaines ouvertures. Donc une cuisine. On va commencer par une bonne grosse cuisine. C'est grand. Ça sera déjà ça. Bah ça c'est pas une cuisine. Ça sera cuisine et salle à manger. Donc normalement ça devrait aller. Porte de personnel. Oh, j'ai une idée. L'endroit où les prisonniers attendent sur l'herbe, la cour, bah tu l'as fait en forme de phallus. Ah bah super. Mais c'est une idée. On peut toujours essayer de la mettre en œuvre. Genre par ici, on fait un gros phallus. Si le jeu pouvait bien arrêter de ramouiller. Voilà. Il suffit que je lui demande et c'est arrêté. Et si mesdames sont jalouses, il suffit la bibliothèque en forme de fulve. C'est le stream de la... Comment dire? Stream du dégueu, non c'est pas bien. Bonsoir Musica 1500. Alors, on va lâcher ça parce que de toute façon, je peux pas faire grand chose à part faire passer les tuyaux. De stream de la beaufrie, merci Arnaud. C'est génial. Beaufitude. Ah, beaufitude. Beaufitude c'est pas mal aussi. Donc. Ok. Ah, c'est pas fini. Faut que je fasse passer les autres services aussi. Câblage. Ok. Là, il faut que je fasse...
Prison Architect a remporté les élections. Exactement. Exactement. Prison Architect a fini par remporter avec 4 voix sur les 12. Cuisinière. Donc il faut cuisinière, frigo et évier, c'est ça? Cuisinière, frigo et évier. Non, pas table de service. Évier. Comment faire le plus optimisé pour cette histoire? Commencer par ça, du coup. Je peux mettre un trio. Ah ah! Pas l'impression de pouvoir tout mettre. Ah, mais je dois pouvoir faire ça comme ça. Ah ah! Comment je peux faire? Comment je peux m'arranger pour que ça casse pas tout? Comme ça! Vous allez voir. C'est une petite cuisine en fait que j'ai faite. Non, c'est pas ça. Cuisine. Bien. Ensuite, une porte de type porte du personnel. Pièce. Oh. C'est la cuisine que j'ai mis. Oui, c'est la cuisine. Ensuite, c'est la cantine. Ok. Donc il me faut des bancs. Ah oui, je voulais mettre. Ouais, je mettrai après, ça coûte super cher. Je voulais mettre des détecteurs de métaux. Ils sont où? Ils sont pas là. Très bien. Elle est pas petite, elle est minuscule. De quoi tu parles? C'est vrai, de quoi tu parles? Ouais, non, ça marche pas. Très bien. Ah, il faut des poubelles. Ah oui, je peux mettre des poubelles. On va mettre des poubelles ici. Comme ça, au moins, ça sera pas trop dégueulasse. Ok, bah putain, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Bon, alors, table de service, c'est sûr, j'en ai besoin. Aïe, 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 ça rame. Je sais pas ce qui se passe. Faudrait que je relance le jeu. Oh, attendez. Les trucs qui vont pas là. J'ai 3 FPS qui se courent après. Des fois je suis à 200 000 et là tout d'un coup je tombe à 3. Oh putain de merde. Je vais sauvegarder, je veux au moins ça. Putain. Genre vraiment 3 FPS. Ok. Oh la vache. Je vais relancer. Est-ce que c'est mieux? C'est pas mieux du tout. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, waouh, waouh. Je comprends pas là pour le coup, c'est bizarre. Peut-être parce que je suis pas en full screen, je suis en fenêtré. Hein? Ça va pas du tout. Mon GPU, il a absolument rien qui... Ça galère pas, quoi. Je suis obligé de tuer le protocole. Ça, c'est chiant, par contre. Je comprends pas. C'est vrai, c'est vraiment dès que j'arrive dans le jeu. Ça tient 2 secondes et après, ça part en couille. Ah, je suis pas en fenêtré. Je suis passé en fenêtré. Ok, je suis passé en fenêtré. Peut-être que ça va améliorer les choses.
Ça a l'air d'être un peu mieux déjà. Ok, très bien. Je suis passé en fenêtré, par contre, du coup, je vois plus tout le jeu en entier. Il y a un léger truc bizarre. Alors Akaïr, je le regarderai plus tard la vidéo, je suis un petit peu occupé, désolé. Désolé, mais là en stream ça va être un peu la galère. Ok, donc là c'est en train de construire, le framerate est revenu, c'est gentil. C'est déjà mieux. Du coup vous avez pas... c'est pas dégueulasse? Non, ça va, c'est nickel. J'ai cru que le stream ça allait être un peu dégueu, mais non, ça va. Très bien. Bon bah moi j'ai une bande au-dessus un peu dégueulasse. Tant pis. Alors, donc la cantine est en train de finir, on va accélérer un petit peu le temps. Moi, faut que je construise le reste, putain, parce que j'ai pas du tout ce qu'il faut. La comptable Soon, une douche, une cour, une cuisine, une cantine, et on a dit, on va commencer par la cour à la peau, j'irai la voir. Oui, à la peau, j'irai la voir, t'inquiète pas. Alors, on a dit une cour en forme de phallus, parce que nous sommes des gens parfaitement fins et équilibrés. Donc, j'ai pas énormément de place pour faire un phallus. Donc, vous allez imaginer que ceci, c'est un phallus. Avec une couille un peu plus grosse que l'autre. Ça me stressait. Je voulais faire ça. Ça me stressait. La couille de Raikai. Ah, c'est la couille, c'est la paire de couilles de Rakaïr avec sa petite... Voilà. C'est la faute de Rakaïr, c'est pas la mienne. Comment se dédouaner? Il y en a toujours une plus haute que l'autre. Eh oui. Vous savez pourquoi? C'est pour éviter qu'on arrête pas de se faire mal, les mecs, à se cogner l'une contre l'autre. Mettre une porte ici, une porte là. Ça sera la cour... Oui, je t'emmerde. Allez, je t'ai fait ta couille, tu voulais... Enfin, je t'ai fait ta grosse bite, tu voulais une grosse bite, j'en ai fait une. La nature est tellement bien faite. Des milliers d'années d'évolution. Tout ça pour avoir une baloche plus grosse que l'autre. Donc, cuisine, cantine, cour, c'est en cours. Ah oui, non, j'avais pas fini la cantine, c'est vrai. J'avais pas fini la cantine. Des milliards d'années d'évolution, des milliards, effectivement. C'est encore pire, en fait. Il faut ensuite que le personnel le cuisinier se fasse au moins deux gardiens, mais on achètera les gardiens. Ouais, on peut acheter les gardiens maintenant. Ok, j'ai énormément de validations qui se sont faites d'un coup. Il me reste une douche, une cuisine et une cantine. Bah non, cuisine, cantine, c'est bon. Il me reste les douches. Et j'ai pas de cellules. Bon. Les douches. Déjà, ok, elle est grosse, mais l'autre aussi. Comment se rassurer? Ouais, c'est pas la taille qui compte. Est-ce qu'on en fait? Mais la taille, ça aide. Les douches, on les fait ici. Des douches communes, avec rien du tout pour se cacher. Enfin, pour se cacher, pour gérer son truc. Mais imberbe pour l'instant. Waouh. Après, des couilles poilues, c'est pas non plus super. Alors, je voulais faire passer les services avant de galérer du cul. Là, pour le coup, on va avoir besoin de ça. C'est vrai que j'avais mis l'eau chaude. Enfin, en tout cas, j'ai mis l'eau chaude. Je veux mettre l'eau chaude. Du coup, va falloir faire les tuyaux d'eau. 3 degrés. Waouh. Pas chaud. Hein. La taille compte que très peu, mais quoique... Ouais, la taille compte un peu quand même. Faut pas se leurrer, il y a toujours besoin d'un petit peu de... Un petit peu de taille. Même si je crois que j'avais lu quelque part que le record man de la plus petite taille... Je suis en train de parler de bits sur mon stream quand même, je me rends compte. Le record man de la plus petite taille, celui qui est dans le Guinness Book des records, il arrête pas de choper grâce à ça. Comme quoi.
Un peu de longueur et un peu d'épaisseur. C'est pas la taille qui compte, mais il y a une phrase de petite bite. Tout de suite. Toujours tout rapporté à la taille de l'engin. C'est moi qui ai mis que des bancs? C'est moi qui ai mis que des bancs. C'est super. J'étais persuadé d'avoir mis des... d'avoir mis des tables, mais je n'ai pas mis de table. Parce que je suis un teubé. Ah, le comptable c'est bon, on va pouvoir l'engager. 1000 balles! Ok, plus 5000, heureusement que j'ai ça. Ok. Donc j'ai les gardiens, j'ai la douche, les cuisines, ça arrive. Ah, je crois que j'aurai besoin de faire venir ça en fait. Ah super, c'est tout dans le mur là, l'électricité. Il y a peut-être un bon doigté pour se rattraper. Eh oui! J'ai un superbe doigté. Parce que c'est toujours utile. Ou une puissante langue. ça part en couille, littéralement. Ok. Donc les murs, c'est bon. Ça, c'est bon. Ensuite, il faut que je mette... faut que je mette pas mal de... C'est pas beau. C'est pas beau, cette histoire. Pomme de douche. Grille d'écoulement ici. Là en fait il me faudrait d'autres murs. Parce que sinon ça sert à rien. Zut, où est-ce que j'ai mis les pommes de douche? Je commence à être perdu. L'homme perdu. Voilà. Donc, ensuite, évidemment, la tuyauterie. On ne parlait pas de ton stream. Un bon doigté pour les jeux et une bonne langue pour ton expression orale. Alors, hop, faire circuler l'eau. Est-ce qu'il faut de l'eau chaude? Je sais pas. Le foot, c'est pour les caguettes, moi je dis. Ils arrivent dans 2 heures. Ils arrivent dans 2 heures, j'ai rien de prêt. C'est super. La cour, elle est bizarre. Ils ont noté le titre ici. Oh, c'est bizarre. Ok. Il va falloir que je fasse des cellules. Des dortoirs, en tout cas. Parce que là, sinon, ça va être la galère. Il me reste 2 heures. La douche. Putain, j'ai oublié de mettre la zone de douche. Ok. Ça y est, j'ai gagné de la thune. Oula, attendez quoi? Donc j'ai mis un bout de douche quelque part là. Oui c'est ça, j'ai mis un bout de douche quelque part. J'ai mis de la douche au beau milieu de la cour. Hop. Donc régime. Je regardais. Est-ce que je le regarde maintenant? Faudrait peut-être que je finisse des cellules. En tout cas que je prépare les trucs. On va commencer par les cellules parce que sinon ça va pas aller. On va faire un baraquement ici, un gros truc. Un peu de passage quand même au cas où. Ça passe sur le... Ouais, ça passe. Quoique. Je mets pas de gazon dans la cour. Si, je devrais mettre du gazon. Alors attendez, faut que je réfléchisse à comment je vais faire mon truc. Faut que je réfléchisse à comment je vais faire mon truc. Est-ce que je fais des gros dortoirs? Ouais, si, je vais faire un gros dortoir. Et là, du coup, ça servira à rien d'avoir du...
du barbelé en fait. Donc autant bourrer. Ouais, autant bourrer un truc de plus. Très bien. Nécessite une entrée. Attends, hop. La grande porte. Alors ça fait 5 d'un côté, 5 de l'autre. C'est nickel, j'adore la symétrie, c'est parfait. Ah non, bah non, pas du tout, ça fait pas 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ça en fait 6 étant donné que là il y a la partie. T'es pas bien. Malheureusement, c'est pas bien. Et si on veut avoir une couille plus grosse que l'autre. Comment je vais faire mon histoire? Si je fais ça, on a encore une couille plus grosse que l'autre. Ça m'a l'air. Voilà. Bon, comme ça, ça arrêtera de me faire titiller mon OCD. Donc là, ça en fait 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc il y a toujours une couille plus grosse que l'autre, on est bien. On est bien. J'ai oublié de se faire circuler l'eau vers le... Eau chaude ? Faire circuler l'eau chaude là-dessus ? Ah putain de merde ! D'accord. Ça c'était pas prévu cette histoire. Tout qui est bizarre ce tuyau d'eau chaude. J'ai pas prévu cette histoire. Bon. Ok. Très bien. J'ai pas du tout de cellule de prévu, il me reste une heure. Pourquoi tu vas faire un astropole à accueillir? Il manque un peu de flotte là. J'ai comme l'impression que j'ai oublié le petit tuyau. Oula, j'ai un problème de type électrique là. Des raisonniers, bon, sachant que j'en ai 7 qui arrivent à 8h. Alors. Ouh putain de bordel. Oula, comment ça marche cette histoire? Bien. Donc on va faire des trucs où ils peuvent se taper dessus dans leur cellule. On va mettre plusieurs par cellule, je pense. Donc une cellule demande quoi? Taille minimale 2 par 3, enclos, intérieur, lit, toilette. On va faire les prisons à la française. Quoi qu'elles soient, elles seront un peu plus grosses. Alors 2 par 3, 2 par 3 ça fait 6, 3 par 5 ça fait 15, donc ça fait plus du double. Donc on peut en caler 3. On va considérer ça. Ou alors 4 par 5 ça fait 20, 18 on en cale 3. Et donc là on en calerait 4 là-dessus. Prison à la française, l'école. Non, prison à la française, c'est-à-dire des prisons complètement inhumaines. Bon, c'est vrai que les mecs en prison, la plupart, enfin certains, effectivement, tu t'aimerais pas qu'ils soient dans les super conditions. Mais après, il faut rester un minimum humain, surtout que quand tout ce que t'as fait, c'est ne pas pouvoir payer une amende ou un truc comme ça. Et quand tu te retrouves 3 ans en tôle, dans des tôles, mais vraiment affreuses, c'est pas cool, quoi. Après, je dis pas, il y a des violeurs, des machins comme ça. Effectivement, faut qu'ils restent en tôle. Hein. Mais bon. Bref, on va pas rentrer sur ce terrain-là, parce que c'est un sujet à débat complexe, et les sujets à débat complexes sur prison d'architecte, même si techniquement prison d'architecte, c'est quand même... c'est très politique, c'est très engagé politiquement, c'est quelque chose c'est pour dénoncer le système carcéral américain, qui est complètement fou. Donc bon, t'as le droit à une blague en rapport avec le milieu carcéral. Oui, oui, on a le droit aux blagues. Si les blagues sont bonnes enfants, moi je suis d'accord. Non, la poste. La poste, c'est la prison française, la poste. Non, ça c'est le foutage de gueule française, c'est pas pareil.
J'ai mis les portes. Oui, j'ai mis les portes. Bien. Ensuite, il faut des lits. C'est peut-être un peu chelou quand même. Un minimum quand même, un minimum de bien-être. On est parti pour faire un goulag, mais quand même. Je sais pas si des lits ça passe comme ça. Bon, on va bien voir. Hein. Il n'y avait pas le truc pour voir le chaud-froid aussi? Ou des prisons privées? Qu'est-ce que 3 gars là que le. Ah, on le connaît! Où l'État a privé son système carcéral. Oui, c'est vrai que je crois que les États-Unis, c'est privatisé les prisons. Guantanamo. Elle est pas arrêtée, Guantanamo? Essaye les prisons vietnamiennes, voir si tu rigoles plus qu'en France. Ah oui, là pour le coup, les prisons vietnamiennes, ça doit être quelque chose aussi. Malheureusement. De toute façon, faut se dire qu'aux États-Unis, tout est privé, quoi. Globalement. Ah oui, j'ai oublié de lancer le machin sur autre chose. Sécurité, on va avoir besoin d'un mec costaud, hein. Surtout pour avoir pouvoir faire les patrouilles. Le déploiement, c'est hyper important, on va en avoir besoin de ouf. Est-ce que ça marche à mettre plusieurs personnes par cellule? Je sais pas. Capacité de mission à 15, ça doit être le nombre de lits. Peut-être. On va tester ça, sinon on va démonter les trucs. Ça, tout y est privé, c'est horrible, même la Fed l'est. La Fed, qu'est-ce qu'on entend par la Fed? Ah putain, c'est vrai qu'il va falloir énormément de gardiens pour gérer tout ça. Surtout qu'on a nos premiers prisons. Donc ça va être lent du cul. La Banque Centrale Américaine. Quoi? La Banque Centrale Américaine est même privée? Mais c'est n'importe quoi comme pays. Oh! Putain, ça va être super long, j'ai toujours pas de truc. Qu'est-ce qu'un jeu où on peut se balader avec des extrémistes, quoi? C'est l'enfer, il n'y a toujours pas de cellule de prête. Ah non, mais ça c'est l'eau chaude que je fais passer. Ah, l'open world. On dirait qu'il y en a un qui a trop regardé Jean-Marie Le Pen Gaming. Oh, c'est fort. Niquez les oreilles là. Un. C'est-à-dire qu'il y a un lit de près là. Attends, ça fait juste une cellule ça? Il était la cellule 3. Ça va pas aller cette histoire. On aborde la mission. On aborde la mission parce que là, ça veut dire qu'il y a qu'une cellule de. On peut pas mettre plusieurs prisonniers par cellule, c'est bizarre ça. Alors il y a peut-être un truc que je puisse pas aussi. Ça me paraît étrange qu'on puisse pas mettre plusieurs prisonniers par cellule quand même. Et au nombre de toilettes? Comment ça marche? Parce que là, pour le coup, il a une sacrée chambre. Il a 4 lits. Ça veut dire que je suis obligé de passer par un système beaucoup plus bourrin où en fait j'ai une grosse perte d'espace. C'est un peu con. Dortoir. Ah non, c'est ça.
Taille minimale 2 par 3, enclos, lit superposé. Ah putain, il y a des lits superposés. Oula, non, c'était pas ça que je voulais faire. Donc c'est moi, c'est comme d'habitude, c'est ma connerie. Mieux, voilà, on en a 4. Du coup, on va pouvoir monter tout de suite à 8. Bim! On les a tous. La question maintenant, on va finir ça, du coup. Hop, hop. Du coup, peut-être que des lits superposés, c'est carrément mieux. Par contre, ils vont être bourrés à plein dans une cellule. Ok, donc ça c'est bon, on va mettre... Putain, c'est dégueulasse chez nous, on peut pas engager un... C'est quoi? C'est un... Entretien? Entretien extérieur? J'ai oublié de mettre de l'herbe. Mais j'ai oublié de mettre de l'herbe, j'ai lu quelque part qu'il fallait que je mette de l'herbe, je sais plus qui, je le remercie. Ça vient de remonter dans ma tête. Là! Service, les services sont bons. Électricité, c'est bon. C'est entretien, merci. Entretien intérieur, c'est ça qu'il me faut. Jeanne, au secours. Là, je pense que ça va. Je vais en avoir 7 qui vont arriver. Et les douches, c'est un peu le bordel. Faudrait que je mette des routes aussi. Les chiottes aussi, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de mettre les petites... Ok. C'est les streams de la droite ou quoi ici? Super cher ça. Hop, hop, on va relâcher. 18h. Les repas c'est bon. Ils sont en train de mettre de l'herbe. Plein d'herbe. Il déroule des trucs de gazon. Comme pour un match de foot. C'est jamais de la vraie herbe sur les matchs de foot. J'en sais rien, je regarde pas le foot. Allez, ouvrez-moi ça, s'il vous plaît, là. Attends, vivement que j'ai le déploiement. Ah, ok, sécurité, c'est bon. Déploiement, va falloir un chef. Du coup, entretien, s'il te plaît. Est-ce que là, je peux tout faire d'un coup? Ça me paraît un peu petit, cette histoire. Malheureusement, je vais devoir me débrouiller avec ça. Ou alors, je mets l'isolement là-haut, mais c'est... Ouais, c'est pas super... Isolement, je peux mettre un isolement là-haut, je peux... il faut aussi que je fasse des cellules d'isolement. Ça me ferait 2 cellules, 3 cellules. 4. Ouais, je dois pouvoir faire quelque chose si j'ouvre le truc plus tard. Je dois pouvoir faire quelques petites cellules d'isolement quand même. Ça sera pas ouf, très clairement. Mais bon, pour plus tard, on pourra toujours aller tirer le truc plus haut. On pourra toujours aller tirer le truc plus haut. Ensuite. Ok, là j'ai les subventions, mon truc. Des cellules dégueulasses en termes de qualité de cellules. Ok, là il me reste plein de subventions. Bloc de cellules B, C... Capacité d'admission à 50, mais si j'augmente tout de suite mes capacités d'admission à 50, ça va être long. Investissement à long terme, sachant que j'ai énormément d'argent. Ça peut être pas mal. Les employés sont épuisés, construisez une salle de personnel. Putain, il y a ça aussi. Oh. Va falloir déjà que j'augmente la prison. Il va falloir déjà que j'augmente la prison. Réhabilitation par les... On s'en fout, on est en train de faire un goulag. On veut pas réhabiliter les
les prisonniers, on veut juste en garder un maximum et ne pas, enfin, qu'ils évitent de se barrer. Après, si ils se tuent ou quoi que ce soit, c'est pas très grave. Investissement à court terme, on s'en fout. Bon, bah, bien-être du personnel. À la limite, s'il faut garder le goulag, le personnel, ça va. C'est juste que. La santé et le bien-être des détenus, on s'en bat les couilles. Voilà. Démolir murs. Mais non, pas démolir murs, je veux construire des murs. Le bureau est fait là en bas. Le bureau est pas encore. J'ai mis une porte de prison, J'ai mis une porte de prison, c'est pas ça que je voulais. Porte de personnel, c'est mieux. Je suis en train de me disperser. Démolir ça. Augmenter la taille de la clôture. Ok. Très bien. Démolir ça. Ensuite, mettre des dalles en béton. Ça sera toujours bien. Ça va me coûter la blinde, mais c'est pas très grave. Bah, j'ai fait le con. J'ai de l'espace qui sert à rien. Tant pis. Peut-être que je fasse une nouvelle porte ici. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai encore de la place pour plus tard, au cas où. Ah, c'est pas ouf comme système, mais c'est tant pis. Démolir mur. C'est une zone aussi qu'il faudrait démolir gentiment. Bon, ça fait un gros trou dans ma prison, mais tant pis. Ça prendra 2 secondes. Ok. Spoiler alert, quelqu'un ici s'appelle Étienne. Il y a au moins moi. Ah putain, mes cellules, elles sont finies là aussi. Hop. Les cellules sont finies, ça c'est. Je finis son bureau là. Bureau. Il aura un très grand bureau. C'est un peu con d'ailleurs. Du coup, il a un bureau là. Classeur ici. Et une chaise là. Parce que fuck it. Il faut que je fasse circuler l'électricité un petit peu quand même. Maintenant, il faut impérativement que j'arrive à voir le déploiement parce que sinon on va pas y arriver du tout. Pourquoi il y a une caisse ? Aucun prisonnier n'est affecté à prendre ses repas dans ses cantines. Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Prisonnier. Non, personnel, non. C'est où ces histoires? Non, ça c'est l'estimation. Comment je peux signaler? Ça c'est écrit tout petit. Accueil fermé, remplir nombre total de prisonniers, hein, tous ceux qui sont disponibles, on s'en fout de ça. Je veux savoir comment je peux assigner. Aucun prisonnier n'est affecté à prendre ses repas dans cette cantine. Mais c'est un peu con, ils sont censés prendre leur repas. Impossible. C'est moi qui fais n'importe quoi. Construction rapide, urgence, on s'en fout. Oui, général, verrouillage, confinement. Non, il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe totalement et j'arrive pas à savoir quoi.
Surtout que je l'ai fait, si je me souviens bien de cette histoire. Enfin, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait dans un vieux let's play, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Non, c'est pas ça. Quoique, micro-gestion fournit l'outil permet de... Planificateur de déploiement, le planificateur de réhabilitation. Circuit nourriture qui permet quelques-unes desservent quelques cantines ainsi que les cantines dans lesquelles mangent le détenu. C'est ça qu'il me faut? Bah, très bien. On va faire ça du coup. C'est peut-être un truc qui me manque en fait. En pause. Le cuisinier est en pause sur la chaise du comptable. C'est super. Donc cette partie là c'est bon, on va pouvoir démolir quelques murs. Bah ouais c'est bon, ça a l'air d'être géré. Voilà par contre, il y a un truc qui va pas du tout. Genre cette porte qui est complètement bloquée. On voit rien, il y a de brouillard de guerre. Donc j'aime pas trop ça cette histoire. Des trucs un peu sales là. Hein. Ensuite, je vais faire un nouveau bureau. Donc là, il mange, ça va. Il recherche. Putain, vous êtes partis très loin, les mecs, à faire des blagues de merde comme ça. C'est ça la taille minimum pour faire un bureau? Bureau 4x4. Donc techniquement là c'est bon. Porte du personnel. Eh ben vos blagues. Waouh. Qu'est-ce qui est fini là? Entretien, c'est bon, ça c'est fini. Je vais pouvoir acheter l'entretien extérieur. Déploiement soon. Micro-gestion soon. Enfin, soon. Pas tout à fait, mais bientôt. Hop. Donc, le bureau du chef, c'est en cours. Il faudrait que je fasse un ou deux bureaux supplémentaires. Quoique, il restera qui? Qui est-ce qu'il y aura en bureau? Il y aura le psychologue, la santé. L'éducation, mais on s'en fout de l'éducation. L'armurerie. Ah mais l'armurerie c'est directement. Donc le psychologue de la santé ça en fait deux. Travail il faudra qu'on le débloque parce que c'est indispensable. Juridique. Couloir de la mort. Oh oui. Limitation de responsabilité en cas d'exécution. Oui on va aller vers ça. Donc 1, 2, 3, étant donné psychologie, santé, juridique, oui mais c'est ça, il m'en reste 3. Il m'en reste 3 des bureaux à faire, donc on va les faire vite. On va attendre que celui-là soit fini, parce que sinon ça va me niquer mon truc. Pire porte du monde en plus. Donc là ça a l'air de dormir. On s'en fout des visiteurs, ils peuvent pas visiter, c'est un goulag. Attendez, hop, je vais mettre en vitesse normale le temps de construire mon truc. Non, bureau, bureau. Au repos, il est au repos comme ça sur son lieu de travail. Putain mais je vous suis plus les mecs hein, sur le chat. Je vous suis malheureusement plus. Non, trop grand, enfin trop petit. Ok, nous là nous avons nos bureaux, on va pouvoir faire les... On va pouvoir faire les... Le truc pour ce... Pour les... Ah! Les... Personnels, voilà, le personnel, je vais y arriver. Disons ce soir. C'est l'enfer de... C'est l'enfer du cul. Ma diction a disparu. J'ai mis les petites cellules là. J'ai pas mis les cellules des hommes. Très bien.
Danger, le moral du personnel est bas. Ouah, le moral du personnel. S'en fout, hein, c'est des mecs qui sont payés pour. Allez, faites-moi ça, putain, ils sont tous en train de dormir en fait, les mecs. On en est où du déploiement? Putain, encore 2h27, accélération du temps. Moins 5 gardiens sans tâche actinier, s'assurer qu'aucun de vos employés n'est épuisé. Va falloir faire une salle du personnel. Pas une grosse salle du personnel. Il faut quoi dedans? Quatre par quatre, canapé, distributeur de boissons. Allez, finissez-moi ça. Pas fini? Ah non, il reste plein. Wesh! Travaillez un peu plus, là. Il fait 6 degrés. Ça va pas être très chaud dans les dortoirs. Y'a pas moyen de voir la température de manière générale? Genre les zones de température chaude ou froide. Là c'est fini hein. Ouais c'est fini. Ok. Donc là il faut mettre canapé distributeur de boissons. J'aime bien la méga salle du personnel juste pour un canapé et un distributeur de boissons. On va peut-être en mettre un peu plus quand même. En même temps, je suis pas hyper riche non plus, donc on va arrêter de déconner tout de suite. Ok, très bien. Donc, normalement, on peut accueillir les prochains... Ils viennent d'arriver? Non, ils viennent pas d'arriver. Pourquoi ils sont tous bloqués? Des plaintes sérieuses. Très bien. C'est-à-dire qu'ils veulent se reposer. Je suis en train de m'en occuper. Gentiment en train de m'en occuper. Oh, il pleut. Oh, c'est cool ça. Ça y était pas dans la version où je jouais avant. Un moral au fond du trou du cul du monde. Ah ça va, vous êtes en pause maintenant, vous pouvez vous détendre un peu. Allez, ok, je suis sympa, je vais vous mettre une borne d'arcade. Parce que c'est toujours bien de jouer un peu à l'arcade. J'ai pas fini le dernier bureau. J'ai pas fini le dernier bureau. Voilà. Ensuite, je crois que j'ai fini les trucs. Ah, le déploiement est bon. Déploiement est bon. Il faut que j'achète un contre-maître. Et la micro-gestion est bientôt finie. Contre-maître. Toute la blinde. Morale du personnel est bas. Mais normalement, ça devrait remonter. C'est bon, vous êtes en train de vous reposer. C'est en pause. On va utiliser le déploiement maintenant, ça y est. Déploiement. Un dans les douches. Un ici. Et puis ça va bien. Commencez par ça. Ok, là c'est bien, pas d'accès du tout quoi. C'est cool. Ça, c'est plutôt pratique. Je vais du coup acheter un peu plus de gardiens. Ça devrait remonter un peu. Trois membres du personnel sont heureux au travail. C'est ceux que je viens d'acheter. C'est les nouveaux arrivants. Et puis t'as les anciens qui sont là en mode « Tu vas voir, tu vas en chier !»
Au moins 5 gardiens sans tâche à signer, s'assurer qu'aucun de vos employés n'est épuisé. C'est pas le cas du tout. C'est fait dégueulasse partout. Alors pourquoi j'ai de l'acier ici qui traîne? L'acier qui traîne, c'est un peu bizarre. On va mettre des dalles en béton. Ah, j'ai fini quelque chose. J'ai fini quoi? J'ai fini quelque chose. C'est la micro-gestion que j'ai fini, super. Ah, du coup c'est cool ça, on a les demandes et les trucs de la cantine, c'est super. Ça, c'est pratique. Toujours pratique. Je gère ça. Température. Ah, on peut voir la température. Oula, il fait froid ici. 6 degrés, 42 Fahrenheit. Danger. Les prisonniers se plaignent sérieusement. De quoi vous vous plaignez aussi? Un psychologue est nécessaire pour voir les besoins des prisonniers. Super, on va avoir besoin de ça. Ça me coûte toujours plus d'argent. Pourquoi il y a une caisse? Sept prisonniers dans une journée. Bon, très bien. Bah, c'est parti. On va partir sur la construction de cellules rapidement. Trop petit. Ok. Ok. De prison, c'est l'enfer. Danger et moyen, enfin, il augmente. Enfin, le moral, il pue du cul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que mes prisonniers ils soient maltraités, je m'en fous, c'est un goulag. Mais que mes gardiens foutent la merde, par contre, ça va être plus. Ça va moins bien aller, cette histoire. Ok. Les chiottes. Ils sont quand même 8 par cellule. Hein. Quand même pas ouf. Très bien, on va avoir une nouvelle cellule. Dortoir. Ok, très bien. Est-ce qu'on va avoir besoin de plus? Tu avais dit 30. Quoi donc 30? Au moins 5 gardiens sont tâches à signer. Ouais, mais là c'est un peu compliqué en fait. Malheureusement. Peut-être que j'augmente les zones de débarquement là aussi. Par cellule. Ah oui, 30 par cellule. Mais c'est vrai. Ça me paraît un peu compliqué. Là ils sont 8. 8 pour une toute petite cellule. Enfin, elle est pas très grande du coup, c'est quand même pas mal. C'est livraison. Livraison et déchetterie, ça passe. Bien, la porte de cellule qui arrive à fermer. Icule semble avoir disparu malheureusement, Raikaya, on dirait. Ah oui, putain, par contre, il va falloir que j'augmente la taille de... Ah! La taille de la cantine.
La taille de la cuisine aussi. Alors j'en fais deux. Va falloir que je réorganise cette cuisine et cette cantine. Allez, tant pis. On est parti pour un truc vraiment mastoc. Oh putain, j'ai plus de thunes. Et niveau de danger est critique. On va vendre le bois qui traîne là. Ça me paraît un peu compliqué cette histoire. Je n'ai plus un copec. Il va falloir que je gère tout ça. C'est fini. Alors, il y a un truc qui est fini. C'est quoi qui est fini? Entretien intérieur. C'est pas mal. Psychologie. Putain. Je suis vraiment en mode 12D là pour le coup. Concierge. Tu as rendu taf, mon cochon. Pas trop me permettre d'en demander plus. 8 prisonniers se plaignent sérieusement. Drogue. Je veux ma drogue. Niveau taille minimale, tu peux faire 5 de long sur 3 de large. La porte au centre du couloir au milieu qui va vers les toilettes et les lits superposés en longueur de chaque côté. Ah oui, c'est pas con. C'est vrai que c'est pas con. Mais c'est pour le coup, j'ai pas fait un truc ultra bien. Et je pourrais en caler énormément. Je pourrais en caler énormément. Mais par contre, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi c'est aussi haut. On peut pas voir... 6 prisonniers s'estiment bien traités, 8 prisonniers se plaignent sérieusement. Le moral du personnel est bas. Le moral est toujours bas, putain. Mais pourquoi ils ont autant de plaintes? Ils bossent trop, il faut que j'en engage plus. Mais j'ai plus un copec. Ça, ça réduit. J'ai plus une thune. C'est super, hein. Il va falloir que j'arrive à agrandir les cantines et tout avec ce peu de thune que j'ai là. Ou alors, disposer d'au moins 5 gardiens sans... Oh, on va faire ça. On va faire un truc de ouf. Oh, c'est bon, c'est passé. J'allais dire, je vais acheter un gardien rapidement, mais en fait, c'est passé sans ça. Du coup, il faut que je prenne un nouveau programme. C'est où? Bloc de cellules à 30 000. Augmentez votre capacité d'admission à 50. Je suis à combien? 38. Toutes mes cellules sont finies. Ouais. Ouais. Du coup, on finit pour le reste et puis je passe à 50. Je devrais avoir le temps. Bloc de cellule B, c'est parti. Est-ce que j'ai la place pour tout faire d'un coup? Alors, je fais une grosse cellule là pour le coup. Une très grosse cellule. Enfin, une grosse cellule. Un gros dortoir quoi. Ils seront beaucoup trop par cellule, mais c'est pas grave. C'est où mes lits? Lits superposés. Allez, c'est parti. Oh la vache. Combien ils vont être? Que les chiottes ici, c'est peut-être pas le mieux. Vous aimeriez dormir pendant plusieurs années là-dedans? Pas moi. Pour le coup, ce serait vraiment pas la teuf. Bon, vous allez me dire, ils sont pas là pour faire la teuf, mais quand même. Là, ça devrait aller jusqu'au bout. Ça a l'air. Ça a l'air d'aller jusqu'au bout. Je vais quand même tirer la flotte.
Très bien. Là, on va avoir des sacrés dortoirs. Peut-être des nouveaux Jean-Michel en plus. Là, ça réduit. Morale du personnel. Ah, il augmente. On a des plaintes sérieuses, mais je sais pas de quoi ils ont des plaintes sérieuses quand même. Ils sont gentils, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'ils me disent quels sont leurs problèmes. Capacité d'admission à 50, c'est soon. Du coup, je vais pouvoir augmenter ça. Ah mais non, mais du coup, ah. Je vais voir, démolir ça et ça. Je vais jeter une cuisinière et tout. Hop. Augmenter la taille. Je vais y arriver. De la cuisine. Grosse zone cuisine. Et là, une cantine. Alors, il y a un truc qui a été fini là, d'après ce que j'ai entendu. Psychologie, je pourrais acheter un psychologue. Ok, j'ai plus beaucoup d'argent. Là, ça arrive à la fin aussi. J'ai du bois partout. J'ai vraiment du bois partout. Faudrait peut-être que j'enlève. 96%. On va bientôt avoir nos 20 000 de fonds. Bien. 48 seulement? Un truc qui va pas là. Ah, il manque les toilettes. Ok. Donc la cuisinière. C'est bon, je les ai eus. Cuisinière, frigo. Frigo, cuisinière, évier. On va pouvoir engager un peu plus de personnel à cuisiner plus. Ensuite, des bancs. Une table. Ils vont se rentrer dessus, ça va être l'enfer. Tant pis. J'ai tellement mal optimisé mon truc. Y'a la terre dans ma figurine. Ah oui. Ouais. Merci de m'avoir signalé ça. Ah ouais. Comment je fais ça? Marche ça. Faut que je rajoute des fondations en fait. Je crois que je suis un peu en train de faire du caca. Tant pis. On va dire que c'est du caca stylé. J'ai niveau de dangerosité super fort toujours, tant pis. Là, ça a l'air d'être mieux. C'est où? Là! Ok, donc...
Du coup, j'ai assez au rapport de psychologie normalement. C'est où? Besoin, petit besoin, gros besoin. Qualité de la cellule 0. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Non, pas ça. C'est où? Besoin, c'est ça. Pff, fatigué. Famille, détente. Petit besoin, gros besoin. D'accord, c'est juste envie d'aller pisser ou aller chier, quoi. Ok. Intimité. Ah oui, l'intimité, ça doit être super bof, mais tant pis. Drogue, alcool, spiritualisé. Ok, d'accord. C'est surtout la famille, il y a des temps qu'ils ont veut, mais c'est un putain de goulag ici, on va pas déconner non plus, hein. C'est un peu l'anarchie. Enfin, c'est dur de faire ce jeu en mode goulag, quand même, hein. Moi, j'ai mis un banc devant la porte, c'est super. Dans le genre de crétin, je me mets bien aussi. Bon, allez, on fait d'autres conneries, c'est parti. On va bourrer le truc de manière à ce qu'ils se rendent tous dessus. Ah, il faut que je défonce ce passage-là. Démolir mur. Faut que j'achète encore des concierges, parce que juste un pauvre concierge, il a du mal, j'ai l'impression. Là, ça se repose. Ça va. Ça me fait un peu d'argent. Bizarre cette histoire là. Pourquoi je peux pas aller dans ceux-là? Comment ça marche ce déploiement? Ces dortoirs là ne sont pas considérés comme ceux-là. Ils faisant partie de la même truc. Très bien. Pourquoi? J'ai raté quelque chose? Allez, c'est parti, Kul qui commence à poster dans le chat une définition complète. Il y a des gens qui gueulent. Ok, donc dans 10 heures, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Quatre familles attendent dehors de visite. Nick. Ils ont pas besoin. Ah, au fait, j'ai vu un truc super cool. C'est un pote qui m'a montré. Un site qui s'appelle Daytube. Donc Daytube, en fait. Qui est le... Qui est une sorte de YouTube, sauf que c'est pas un YouTube qui est centralisé comme ils ont des serveurs chez YouTube. C'est un YouTube qui fonctionne, une sorte de YouTube qui fonctionne sur une blockchain. Donc en fait, ça existe nulle part et ça évite les problèmes de. Ça existe nulle part et partout à la fois. Je viens de taper sur mon micro. Et donc du coup, ça permet d'avoir. De pas avoir des serveurs centraux et de pas avoir une autorité derrière qui gère le truc. Et ça a l'air plutôt cool. On peut être rémunéré en. Plus on est regardé, plus on est rémunéré. Comme une blockchain, quoi, du coup. Ça a l'air plutôt cool et en fait, comme pour toutes les blockchains, ça a besoin d'être regardé, de fonctionner pour pouvoir fonctionner. Et ça a l'air vraiment sympa. C'est, ça s'appelle D.tube. Je crois que c'est ça. Et ça a l'air plutôt sympa. Je vais essayer de me pencher un peu plus sur le principe du machin. Mais ça a l'air plutôt cool. Donc là, je fais quoi? J'attends un peu. C'est parti, ça met heuristique dans le chat. What the fuck? Vous êtes partis beaucoup trop loin, les mecs. Donc là, je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Bloc de cellule C, c'est pour se passer à 100, mais on s'en fout. Réhabilitation, on s'en fout. Éducation. Il n'y a pas. Ah, si, je sais ce qu'on peut faire. Expansion. Parcelle de terrain.
Non, on s'en fout. Travail carcéral, c'est ça que je voulais. Bah oui, travail carcéral. Et puis aussi ça aussi. Pour tuer des gens. Mon compte triple. Avec heuristique. Bah oui, avec heuristique, mon compte triple là pour le coup. Donc là, on va bientôt changer de moment. Pour finir le jeu, je dis moi super califa gizikla de playlist. La putain. Ceci est un néologisme. Moi aussi, je sais dire des mots culturés. Qui me font péter plus haut que la nouille. Je voulais voir la température aussi. C'est ça. Qualité des pièces. Pièces d'au moins 6 cases par prisonnier. Waouh! Tu as carrément pas 6 cases par prisonnier. Moins 1. Ah oui, ça va être l'enfer, d'accord. Ça va vite être l'enfer. Très bien. Le chauffage, ça a pas l'air de chauffer quoi que ce soit. Distribution de nourriture, ça a l'air d'aller. Bon, ok. On va attendre la suite. Je vais attendre de débloquer le travail et ensuite on va se mettre au travail. 2 heures. Juridique bientôt. On va pouvoir faire une. Un couloir de la mort. Pour tuer des gens. Je l'ai directement la salle de. Sécurité, non. Peut-être que je fasse une pièce de sécurité aussi. J'ai fini un truc. J'ai pas fini un truc. Non, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu de la thune. Et voilà qui pleut. Ah ah ah, ça se tabasse, ça se tabasse, ça se tabasse. Inconscient, mon gars. Ah, ça se tabasse aussi, là. Ah non, il s'échappe, il s'échappe. Putain, il s'est échappé, mais... Comment il a pu s'échapper, s'il vous plaît, là? J'ai eu une évasion. Ah, attendez, passage en mode rapide, parce que... En mode normal. Ça se tape dessus. Ça se défonce, c'est les douches. Les bonnes douches de démarrage. Putain, c'est vrai qu'on est en mode super danger. Mais pourquoi elles ont des plaies sérieuses? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Besoin. Besoin du personnel, voilà, c'est ça. Vessie. Chaleur. D'accord, elles ont besoin d'être au chaud en fait. J'ai pas d'infirmerie encore. Du coup, c'est l'enfer. Nourriture, mais ils sont en train de bouffer. Ah putain, c'est... ils ont tellement rajouté trop de trucs. Intestin. Ah, et en fait, il a besoin de chiottes. Très bien. En fait, il y a des trucs qui vont pas. Très bien. Comment je fais ça? Alors. Il va falloir mettre du chauffage chez eux. Radiateur. Si on mettait un peu de chauffage dans la cuisine aussi, enfin dans la cuisine. Donc là normalement ça va arriver. Ça. On va retirer l'eau chaude jusque là-haut. D'accord, il va falloir une infirmerie aussi parce que sinon ça va pas aller. La santé, il me la faut. On doit avoir encore un bureau qu'il faut. Je vais peut-être couper le bureau du personnel pour faire un bureau pour les... Un bureau, là, la salle spéciale... sécurité. Un bureau pour vos agents de sécurité, je crois que c'est ça qu'il me faut.
atelier. L'endroit où vous envoyez mourir d'ennui vos prisonniers en construisant des plaques d'immatriculation. Je dois avouer que ça doit pas être cool de faire ça toute la journée, mais en même temps, ils font quelque chose. C'est vrai que ne rien faire toute la journée, c'est vraiment... Moi, c'est le truc qui me fait vraiment... qui me met hors de moi, c'est quand je fais rien, je commence à partir en couille. Si vous me mettez face à moi-même... Trop longtemps, au bout d'un moment, je commence à péter un câble. Je dois avoir... Ah ouais! J'ai 41 prisonniers. La 24 qui arrive soon. N'aurai jamais assez. J'ai pas assez de personnel. Ça m'a l'air d'être un peu le bordel actuellement. Ça, il en manque. T'arrives pas jusqu'au bout? Pourquoi ça arrive pas jusqu'au bout? Pas assez de puissance peut-être pour le tuyau de chaude. Mettre une chaudière ici. Il va falloir une infirmerie, il va falloir plein de trucs. Ah oh, et ça se tabasse. Il va falloir plus de personnel aussi. Ça se tape dessus, ça se frite, allez. Et putain de goulag. Ok, tuyaux de chaude. Ils sont vraiment bizarres ces tuyaux, j'ai vraiment l'impression de les voir sur le mauvais côté. Cloisonnier, électricité. Là aussi, il faut que je cloisonnier, électricité. Mais il y a l'électricité, connard! C'est bon! Ok, donc là, techniquement, en termes de chaleur, c'est déjà un peu mieux. C'est un peu plus chaud. Si je mettais, allez, un chauffage au milieu de tout ça pour éviter d'avoir trop d'emmerdes non plus. Genre, j'en mets un. C'est où? Là. Je mets un. Un, et je me rends compte qu'il va falloir que je fasse sauter quelques lits. Oh putain, ça se tabasse, ça se tabasse, ça se tabasse, ça se tabasse. Ah putain, tous mes mecs sont en train de partir en couille. Alors attendez. Démonter objet. Non bah non, le vendre. Je peux pas juste vendre ça. Donc démonte d'abord, d'accord. Très bien. On va passer ça, ça va multiplier par 2. On va passer à... 8, ça va faire 66, ça va faire 66, sachant que j'en ai 24 qui arrivent, 24, 65, ça sera tout pile poil ce qu'il me faut et je pourrais gagner un petit peu de temps. Sécurité, il faut quoi? Bureau, chaise, classeur. Non, c'est où bureau, chaise, classeur? Voilà. Ah oui, c'est vrai que mes mecs ont besoin d'aller pisser aussi, du coup je vais mettre... truc pour pisser un peu partout. Ils seront peut-être plus contents comme ça. Ah bah voilà, staff moral 68%. Oh, ça sera peut-être un peu haut là. Ok. Ok. Putain, ils sont tous morts. Il y en a partout, des quasi-morts. J'ai toujours pas la santé. J'ai toujours pas la santé. Bien. Pourquoi? Parce qu'elle finit juridique d'abord. Ok, très bien. Bon, bah, il y aura un paquet de demi-cadavres un peu partout, du coup. Pour tout le monde. Putain, c'est l'enfer. Ah, ok, ça a été défoncé.
Bonjour The Dark 704. Bonjour, bonjour, bah bonsoir plutôt. Quand même, commence à faire déjà un peu tard. Donc, alors, donc là, l'eau arrive. Je vais regarder un petit peu mes besoins de mes personnages. Enfin, besoin du personnel, c'est mieux. Nourriture. Mais putain, nourriture, vous devriez pouvoir y arriver. Dire manger avec tout le monde, non? Intestin, normalement, maintenant. Ça devrait aller mieux. Ça devrait carrément aller mieux. Il n'y a pas de modo. Non, non, il y a juste moi. Mais là, Raikayer, c'est un électron libre. C'est pas grave. T'emmerdes pas avec, avec ce monsieur. Puis honnêtement, pour le peu de personnes que j'ai sur mon stream, s'il y a vraiment quelqu'un qui fait chier, je le kick moi-même. Raikayer, c'est un troll, un gentil troll. Bon, faut apprécier son humour, c'est surtout ça en fait le truc. Ok, donc là j'ai toujours mes problèmes d'inconscience, mais en même temps, pas trop le choix. Santé qui arrive dans 5h30 minutes. Juridique. Est-ce que j'achète le juridique maintenant? Je crois que j'ai plus une thune. 25 000, c'est pas ouf. Je crois qu'il va falloir que je refasse encore des blocs dortoir. Je me pose la question. Le danger commence à être assez bas. Les noirs, ils votent notre travail. Waouh. Ça, c'était très, très, très fin. C'était très fin, très raciste. Super. Ou pas. Alors, est-ce que j'ai assez de bouffe? Ah non, je vais pas avoir assez de bouffe, je viens de me rendre compte. 24, va falloir que j'achète encore un cuisinier. Ah, c'est chiant, c'est tellement l'enfer facilement ce jeu en fait. Bon, il devrait passer par la porte, il devrait y arriver. Là faut que je mette tout ce qu'il faut. Ah non, ça c'est bon. Petit tuyau. Ah non, ça c'est le frigo, du coup j'en ai pas besoin. En même temps tu dis c'est fin, mais au milieu de ta prison il y a une tub. Oui mais je rappelle à Raikayer que c'est toi qui as demandé une tub. Moi j'ai fait une tub parce que t'arrêtais pas de me la demander. 70, oh putain les sales belges. On va dire 70, 90, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour être bien clivant, là. Est-ce que je vais pas avoir besoin de plus de gardiens, si. Ah, il y a plus de gardiens, toujours plus de gardiens. C'est parti. Voilà, on commence à rétablir un peu tout. Il y a un peu moins de danger, les gens sont un peu plus contents. Ça a pas l'air d'être ouf, hein, mais les gens sont un peu plus contents. Vessie, intestin, c'est mieux. Nourriture, c'est pas fou, mais bon, repos. Ça devrait arriver. Ça, je suis ça. Comment t'es passé de juif à suisse? Du coup, qu'est-ce qui va me manquer là? Un décès? Ah! Quelqu'un est mort! Ah, il est mort! Oups! Oups! Très bien, bah, j'ai eu un décès. Je vends des trucs. Ok, ça va me faire un peu de thunes. Mon jeu est mortel, exactement. Et jeu sans X est mortel avec seulement LE. Hein, parce que là, ça me fait un peu mal aux yeux. Désolé, je suis mon grammaire nazi, mais là, pour le coup, ça me faisait mal aux yeux. Wouah. 60 seulement? Attendez, il y a un truc qui va pas là. 40 sur 60, il y en a 24 qui arrivent. La prison de la muerte. La mort en espagnol. Bonne référence, Karim Debbache. De toute façon, à partir du moment où on cite du Karim Debbache, on peut que citer un bel homme. C'est un grand homme même, je dirais. Plus qu'un bel homme, un grand homme.
On va essayer de faire un truc comme ça. Il va me falloir une morgue aussi. Ah oui, il va me falloir une morgue, il va me falloir plein de trucs. Donc là, ça va être notre nouveau bloc, ça va être dégueulasse. Peut-être que je vais carrément les faire à même le... Je sais pas. Combien il me faut en largeur pour ces blocs-là? 16. Ah oui, c'est pas du tout la même. C'est qui arrive de vache? Oh non, me dis pas que tu connais pas. Karine de Bâche. Ah, ouf. Tu m'as fait peur, avec Karine. Parce que là, pour le coup, je t'aurais ordonné de quitter mon stream pour faire... pour te faire une session, mais full Karine de Bâche. Parce que clairement, c'est du très, très, très haut level. Tu connais pas Arnaud 9400? Ah, Arnaud tout court. Karim Debache. Comment dire? S'il y a quelqu'un qui pourrait représenter pour toi le cinéphile geek, qui a des très fortes connaissances et en même temps qui arrive à montrer ce qu'il aime, c'est pas juste de la branlette intellectuelle. C'est Karim Debache, c'est quelqu'un qui sait écrire, qui sait aussi faire passer des idées et qui sait analyser des films, mais d'une bien belle façon. C'est extrêmement fort. Il a commencé sur jeuxvideo.com avec son émission Crust, je vais éviter de massacrer la langue de Shakespeare avec mon accent, qui est une émission où il parlait de films qui traitent de jeux vidéo et... Enfin, qui réfléchissent un peu sur le médium vidéoludique, que ce soit une dette adaptation ou quoi que ce soit. Il a commencé avec Crust, donc toutes ses vidéos sont disponibles sur YouTube. Et après, il y a une seconde série qu'il a fait sur Dailymotion, qui s'appelle Chroma, et qui là, s'écarte du jeu vidéo, il parle encore de films. Et c'est des perles d'écriture. Bon, faut s'accrocher un petit peu, parce qu'il va dans des délires un peu loin. C'est une perle ultime, franchement, si vraiment t'as un youtubeur cinéma à regarder, c'est lui. Bon, il y a aussi François Terrel, donc le fausseur de films, mais François Terrel, c'est plus cérébral. C'est bien aussi, c'est très bien aussi, mais c'est plus cérébral, très clairement. Donc voilà, Karim Debache, c'est un must-have, et puis c'est vrai que c'est un peu vieux maintenant, c'était l'époque Usul aussi, même s'il est ressorti, la série Chroma est sortie récemment, c'était l'époque Usul. Et lui on le gueule pas parce qu'il connaît pas. Mais oui, mais Akaïr, quand je t'engueule c'est gentil en fait, c'est normal. Alors, du coup, on va refaire un joli bloc. De 16. Je vais refaire des douches. Je vais faire une infirmerie ici. Infirmerie ou morgue? Devant les douches, qu'est-ce que vous préférez? Infirmerie ou morgue? Qu'est-ce qui pour vous... C'est l'endroit où il s'usait noir, hein, putain. Donc quoi, ça serait une insulte, ça? Morgue, allez, devant les douches. Une morgue. Oh putain, pourquoi je l'ai mis là? Pourquoi je l'ai mis là? Non! Bien, je recommence. Commencer par une morgue du coup. Je me rends compte que j'ai plus un copec là. Dur. C'est vrai que parce que je viens de faire des gros chantiers là. Alors. Hop. Ah,
Vous partez en couille dans le chat. Je l'ai bien posé au milieu là, je me rends pas compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nécessite une entrée. C'est la morgue, on va dire que c'est une entrée normale. J'espère que c'est la bonne taille. Salle du courrier. Morgue. Intérieur, étape de dissection. Table de dissection. Alors. Ok, la morgue, table de dissection. Médecin, c'est bon. Ah putain de merde, j'avais oublié qu'il va falloir avoir besoin de passer, faire passer des services à Donf là. J'ai oublié cette histoire. Ah ça c'est un... un grand film entre guillemets aussi. Ah la vache. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Gros. Je suis allé voir Pacific Rim Uprising aussi. Qui était pas si horrible de ce que, ce que je pensais franchement. J'avais vraiment peur que ça soit un simple ersatz, enfin une tentative ratée de faire de la thune sur un film qui avait plutôt bien marché. Et aussi, accessoirement, surfer aussi sur le fait que Guillermo del Toro, l'auteur de Pacific Rim, premier du nom, a gagné un Oscar, même si c'est pas lui qui a réalisé du coup le 2. Mais j'ai... C'était pas mal, c'était pas si mal, je m'attendais à vraiment quelque chose de vraiment naze, et au final, non, ça allait. Au final, non, ça allait. Mais du coup, c'était plus... Il y a un mort. Oui, je sais qu'il y a un mort. D'ailleurs, il a été baladé, le mort, ou il, a toujours, il est toujours en tôle, là. Là, le médecin, il répare. Dépoiler un peu des gens aussi. Là ça arrive doucement. Il va falloir que je fasse passer l'eau chaude. Ok. Bien, on va dire que ça c'est bon. J'ai plus que 3000 de thunes, ça va être compliqué cette histoire. Quand ils vont y régler, ça devrait aller mieux. Il faut rien dans la cour aussi je crois. Énervé, qu'est-ce qui t'est énervé? J'ai besoin de nourriture, mais putain, vous pouvez bouffer! Non, c'est pas possible? Mais énormément de trucs pour bouffer, ils arrivent pas à... C'est pas possible de manger. Non, non. Mais 5€ dans le pot à gros mots. Ah ouais, les pots à... Des pots à gros mots à 5€, faut y aller les mecs, hein, parce que putain... Ça c'est déjà un peu plus chaud, il fait 20 degrés. Oh, 20 degrés, je trouve c'est pas mal pour des dortoirs, j'ai juste mis un chauffage. Il fait 29, il doit faire surchauffer. N'importe quoi. Et les douches à 8 degrés là, oh, c'est agréable. Douche froide là. Bon, du coup, il faut que je fasse une infirmerie aussi. Et j'ai plus un copec. Tant pis. Ça coûte si cher que ça, les infrastructures comme ça.
Comme coup, ça c'est un peu réaliste aussi. Hein. Port du personnel. Hop, infirmerie. C'est. C'est le bordel ce jeu quand même des fois. Hein. Infirmerie. Intérieur, limédicalisé. Aïe, ah yeah, ça part en couille. C'est encore plus en couille. Le chat qui se sort anticonstitutionnellement. En tant que gros mot. Bon. Tout est normal. Regardez un peu aussi ça. Donc, ah oui, il faut que j'achète un. Ah oui, j'ai plus de thunes. J'allais dire, je voulais acheter un. Un juridique. Un avocat. Ok, avocat. Je voulais les faire travailler aussi. Putain, faut que je fasse une salle de travail. Magasin. Ah, ils peuvent acheter des trucs. Produits de luxe. Ok, parloir. Putain, il y a plein de trucs. Salle commune, atelier. J'ai toujours pas débloqué le couloir de la mort et tout. Ok. C'est passé là. Ils sont en train de d'arriver. Il y a toujours des inconscients au milieu de tout ça. Ah, dur. Les pauvres Jean-Jean. Ça fait juste 3 jours hein, qu'ils sont inconscients dans leurs cellules et que personne vient les lever parce qu'en fait on n'a pas de quoi les soigner. Infirmerie. Ne regarde surtout pas le chat, mais tu sais que quand tu mets mon nom, ça me le highlight, donc ça m'explose la rétine sur mon côté droit, et du coup je regarde le chat. Et je sais que vous arrêtez pas de dire n'importe quoi. Que c'est pas bien. Ah oui, t'as eu du lit, c'est no time to chill là pour le coup. 3 minutes, 2 minutes, c'est parti, un peu de thune. C'est genre... Quoi ? 10 000 seulement ? Ça me laisse à peine la possibilité de recruter le personnel qualifié qu'il me faut. Et déployer un peu plus de monde. Ok. Là, clairement, on va pas être assez nombreux. Mais non, mais vous inquiétez pas, je peux pas être choqué. Je connais Icule dans la vraie vie, donc... en termes de choquerie... Ah, oula, par contre, je suis à fond en termes d'énergie. Pas cool. Je vais avoir des sales coupures si ça continue. Ah. D'accord, ici, il y a une histoire d'emploi. Qualité des pièces, je dois être... 0-0, c'est l'enfer. Je vais avoir besoin de monter. Subvention, bloc de cellule C, je vais avoir besoin de sous-sous. On va faire nos nouvelles cellules. On va faire des trucs bien mastoc. Dans le sens où je vais essayer de copier un petit peu ce que j'ai fait sur le bas. Je pense que ça peut être une bonne idée. On va commencer par ça, des salles avec combien 8, 16, 16 personnes par salle. Idéal dans une prison. Il va falloir que je déploie quelqu'un là-dedans parce que sinon ça va pas aller. Tuyau de chaude. Il s'est passé quoi là? Je viens de perdre énormément d'argent là ou c'est moi? Ouais, je vais pas avoir assez de place aussi pour gérer l'histoire de la cantine parce qu'il n'y a pas du tout assez de personnel ni de banc. J'ai aussi la pire cantine du monde. Hein. On va dire que ça va passer un peu. Un peu. Les chiottes, je crois que j'ai oublié de mettre les chiottes là-haut. Répétitif un peu ce jeu parfois, malheureusement.
Ok. Ah putain, c'est vrai qu'ils ont besoin de se nettoyer, mais on s'en fout de ça, cette histoire. Alors, attendez, besoin. Exercice, famille, détente, vêtements, drogue, liberté, produits de luxe. Wow, wow, wow. Franchement, ça devrait aller pourtant. J'ai de quoi les mater. Accélère un peu le temps parce que cette histoire, ça avance pas. Je suis qu'à 60. Je vais avoir besoin du coup de plus d'emplacements. Ah oui, c'est pas bien ce soir. Je me suis raté un peu quelque part. Hop. J'ai toujours pas le... J'ai toujours pas le copier-coller, je crois. Ah, j'ai plus de thunes! La pire prison, je suis totalement d'accord. Mais on a dit qu'on faisait un goulag, pas une prison. Et avec une bite aussi. Ça, c'est la bite de Rakeir. C'est lui qui l'a demandé. Et du coup, j'ai plus un copec. C'est pas fou. Et en termes d'attente... Oula. 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 Je me fais appeler par le chef de la sécurité. Une affaire de gang très manatisée a impliqué l'un de nos prisonniers de sécurité minimum comme un chef de gang de haut rang. Quoi? Il a réussi à rester incognito jusqu'ici. Mais, pour... mais aujourd'hui, tout le monde sait qui il est. Ah. Ça devait être lui en fait. Condamné à 15 ans pour arson. C'est quoi ça, arson? Condamnation à incendie volontaire, ça veut dire incendie volontaire. Bizarre. J'ai oublié de mettre des portes. Est-ce que je vais avoir assez de thunes pour mettre des portes? J'ai tellement plus un copec. Donnez-moi de la thune! Je suis pauvre! Ok. On va pouvoir finir ça. On va pouvoir avoir un petit peu de... de thunes qui va nous permettre de finir ça, mais je pense que j'aurai jamais assez pour fignoler les deux autres là. Deux autres blocs. Ah, je peux construire comme ça? Ah non, je vais dire je peux construire comme ça. Mon chien vous a écrit apparemment. Ah, le bon chien qui appuie sur le clavier. Ça a l'air d'aller mieux quand même, cette histoire. J'ai plus une mort. Bon, ils sont un peu pas tous très contents du tout, mais bon. T'en fous. C'est vrai qu'ils sont tous très dégueulasses. Ah, ces moments-là, ça doit être tellement l'enfer quand tous les prisonniers y passent en même temps. En plus, ils en ont rien à foutre, ils passent ici. Ah, quoi, deux décès? Ah! Le chef d'un des gangs de votre prison subit actuellement une punition. Je vais choisir quoi faire, mais tous les membres de ce gang vont poser le problème jusqu'à ce que la punition prenne fin. Comment ça marche? C'est lui? Allez, ça se tabasse! J'ai eu 3 morts aujourd'hui. Voilà, tout le monde peut manger tranquillement avec les décédés à côté. For Honor, c'est mieux. Ah, ça y est, t'es reparti là-dessus, Rakeir. Bon, très bien. Du coup, c'est lui, chef de gang?
Norme de gang. Y'a pas écrit chef de gang. Ah, ça doit être lui, hein. Sanctionné. Ouais, confinement 6h. Allez hop. En plus, il y a un buzz XP sur For Honor. Ouais, je sais, c'est sur Steam et c'est le week-end Ubisoft, je crois. Du coup, ils mettent le paquet pour essayer de gagner un peu des gens sur For Honor. Et ben, à plus, The Dark 704. Si tu reviens, tu seras le bienvenu. Même si, malheureusement, je crois que c'est un de mes derniers streams avant un bout de temps. Malheureusement. Hop. Pourquoi? Bah parce qu'en fait je pars en stage à la fin de la semaine prochaine. Je vous explique, ça va être compliqué. La semaine prochaine j'ai mes partiels. Vendredi à 14h j'ai un examen de step, donc je vais me défoncer. Sachant que à midi 15 je dois rendre l'appartement là où je suis. Donc je dois déménager tout le matin, je bourre tout dans ma voiture. Je rends l'appartement à midi 15, à 14h je fais mon éval de sport, ça dure 2h. Je sors de l'éval à 16h, je prends ma voiture et j'ai 4h de route pour rentrer chez moi. Et j'arrive chez moi et j'ai plus internet. Et ça va être un vendredi compliqué. Très compliqué, j'ai vraiment pas envie d'y être. Step, ouais, c'est un sport, c'est de la danse musclée. Et ça fait bien chier de l'avoir à 16h un vendredi soir avant de partir en stage. Et j'ai un stage de 4 mois et en fait pendant le stage je suis chez moi et j'ai de la chance d'être chez moi. Mais le problème c'est que du coup on est toute la famille sur un pauvre ADSL à la con. Et donc déjà que ça va être l'enfer pour uploader les vidéos. Mais alors je vous dis pas pour stream, c'est pas possible. C'est juste impossible. Malheureusement. Et je pourrais pas avoir la subvention. Super. Peut-être déployer un peu plus de monde là. Ils vont tellement se tabasser trop fort. Du coup, pour le retour des streams. Ça se tape dessus. Pour le retour des streams, c'est pas tout de suite. Je sais pas si j'aurai la fibre avant un bout de temps. Après, il y aura peut-être des solutions. Je pense que je vais essayer de m'arranger pour que la famille on bascule sur un boîtier 4G. Même si c'est un peu compliqué, je vais essayer de voir si on peut pas s'arranger avec ça. Et en boîtier 4G, ça a quand même plus de puissance. Donc peut-être que je pourrais faire des streams plus tard. Mais un peu sceptique malheureusement. Je ne sais pas trop. Donc je vous promets rien. Déjà, je vais essayer d'arriver à faire des vidéos de manière récurrente. Un truc plutôt cool. Mais c'est pas sûr que j'y arrive... facilement. Bah, y a une nouvelle vidéo que j'ai terminée aujourd'hui, mais je pense qu'il faut encore que je la fignole un petit peu, que j'ai fini et qui du coup va bientôt sortir. Bon, c'est pas une vidéo let's play parce que j'ai quand même quelques vidéos de let's play d'avance. J'en ai 4 d'avance. C'est pas mal déjà. Donc ça veut dire 4 dimanches, mais là je sais pas. Est-ce que demain je sors la nouvelle vidéo qui m'a pris bien 2 semaines à faire? Ou est-ce que j'attends encore un peu? Je peux attendre encore un peu et essayer de la fignoler un peu aussi. Et je vous dis pas le sujet. Haha. Du coup là je sais pas trop quoi faire parce que j'ai plus un copec, malheureusement. Et je peux rien acheter. Enfin en tout cas je peux pas faire de subvention ou quoi que ce soit. J'ai juste à attendre que ça se finisse. Je sais même plus de quoi m'acheter un mur, s'il vous plaît. Est-ce que je pense que je ferai un let's play narratif? Peut-être, si un jour je me file vraiment, parce que c'est très compliqué un let's play narratif, surtout pour des gens comme moi qui ont... J'ai très peu d'expérience dans l'acting, et l'acting c'est important, que ce soit l'acting au niveau de la voix, ou au niveau du jeu d'acteur d'une manière générale. Le boulot des greniers sur les let's play narratifs est monstrueux. Déjà, l'écriture est folle, et c'est super bien fait. Mais en plus de ça, ce sont des vrais acteurs aussi derrière. Ils sont vraiment bons.
Que ce soit au niveau de la voix pour son, le dernier aspect narratif de Fred là sur le sur Project Zomboid. Project Zomboid ? C'est Zomboid. Je sais plus, sur Zomboid. Il a des superbes intonations, c'est nickel son truc, c'est super chialé. Moi je pense que je suis pas capable de faire ça en tout cas pour l'instant. Je fais beaucoup de vidéos que je. Les beaucoup de vidéos que je fais là actuellement c'est surtout de l'entraînement. Me lancer dans un let's play narratif, ça demanderait beaucoup de temps parce que c'est pas facile à faire. Et beaucoup de talent. Ça serait une idée pour d'entraînement ou pour quoi que ce soit. Ça serait une idée et pourquoi pas honnêtement. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, mais ça me prendrait pas mal de temps. Ah, trouver des. C'est quoi ça? C'est des go cigarettes. Let's play sur Doom, hein, c'est ça. J'achète Doom un jour. C'est pas The Movie en ce moment. Alors, c'est d'après ce que j'ai entendu, qu'il a fait une FAQ, je sais plus quand. J'ai regardé une de ses vidéos. Je crois que c'est sur Absol Vidéo, je crois que j'ai regardé. Ou c'était une FAQ, je sais plus. Donc en gros, les semaines narratifs, il fait ça une semaine sur deux et à chaque paire de semaines, il alterne. Entre Zomboid et The Movie. Parce qu'il avait dit que The Movie c'était affreux à écrire. Parce qu'il n'y avait rien. Il avait rien de possible à parler dessus. En fait c'est toujours tout le temps la même chose. Comme beaucoup de jeux de gestion d'ailleurs. C'est toujours tout le temps la même chose. C'est pas ça que je cherche. C'est ça que je cherche. '96, il me faudrait 500 balles. De quoi acheter. Non, il me faudrait 1000 balles. De quoi acheter 2 lits supplémentaires. 30 prisonniers qui arrivent, donc j'ai suffisamment pour l'instant. Un espèce sur Forerunner. Mais le problème, c'est que Forerunner. Les jeux multi aussi, ça s'y prête pas du tout à la narration. En fait, ce qu'il faut, c'est des jeux sandbox. Il faut des jeux sandbox. Avec possibilité de faire émerger une histoire. Ce qui n'est pas franchement le cas de Forerunner en fait. Et il faut des jeux qui soient pas trop directifs. En ce sens, je pense que Skyrim, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est Skyrim, tout le monde l'a déjà fait. Du coup, faire Skyrim, c'est un peu con. Mais les jeux multi-classiques, c'est difficile. Genre Borderlands, c'est en let's play narratif, c'est pas possible, parce que c'est extrêmement scénarisé. Donc c'est ça passe son charme, en fait. C'est un peu con. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Parce que Minecraft c'est idéal si tu peux arriver à faire émerger une histoire à partir de PNJ ou des trucs comme ça. Mais en même temps c'est pas ouf. C'est pour ça qu'en final je pense que les meilleurs pour faire les aspects narratifs ça reste les survival. Les survival avec des trucs générés procéduralement, ce genre de choses. C'est idéal en fait pour ce genre de. C'est pour les aspects narratifs. De manière à faire émerger une histoire au travers de ton gameplay. J'avais essayé d'écrire un let's play narratif, c'était sur Baldur's Gate, mais en fait je me suis rendu compte que non seulement je suis très mauvais à faire de l'acting avec la voix, bon c'était il y a longtemps, mais je suis très mauvais. Mais en plus de ça, je me suis rendu compte que c'était tellement scénarisé, bien que c'est un jeu de rôle donc c'était un peu plus facile, mais c'était quand même vachement scénarisé, du coup c'est très directif aussi. Puis aussi c'était vachement dur. 29 familles attendent de rendre visite, ouais, niquez-vous. Allez, je vais pouvoir poser mon putain de truc. Là, j'ai rien à faire parce que j'ai vraiment plus d'argent. L'homme triste. Et là, je le pose, je gagne 20 000, ça serait déjà pas mal. Ah, attention. Augmenter. La fureur du dragon, qu'est-ce... Ouais, c'est ça, ils étaient en train de tout casser. C'est dégueulasse! Dégueulasse ou ça pue juste? Oula! Ah, attendez, ça c'est l'enfer. Je crois que j'ai récupéré les nouveaux prisonniers. J'ai posé le dernier qui me manquait. Là, ça se tabasse. J'ai acheté des agents d'entretien aussi.
Faut que je fasse une laverie parce que là c'est juste plus supportable. Ils sont en train de me puer la mort. J'achète des gardiens aussi parce qu'ils vont être occupés. Ça se tabasse. Ah oui, c'est l'heure de la douche. Ah, j'ai pas fini la douche aussi là. Douche. Douche, douche, douche. Là, il devrait... Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est les vêtements qui vont pas. Allez, baston dans les douches. Mais ton strepol, c'est toi qu'il faut le faire. Enfin, je comprends pas ce que tu veux, en fait, exactement, Kaïr. Eh ben, du coup, je peux finir ça. Ok, très bien. Donc là, je suis à 100. Il va me falloir un peu plus de gingembre du coup. Au moins la moitié, voire un peu plus. Ça me paraît bien, 90 sur 100. Putain de merde, ils sont nombreux. Hein. On va essayer de prolonger un peu cette histoire de cuisine là. Let's play sur Agario, exactement. Les fameux let's play sur Agario. Vision révolutionnaire de la chose. Un let's play sur Agario. Slicer.io ou sur tous les points.io. Meilleure idée du monde. Du coup, besoin des prisonniers sont ouf. On s'en fout. Log de cellule D, augmentez votre capacité. Ouais, 200, mais surtout c'est chiant parce que. Capacité d'admission 200, mais c'est encore vachement loin. Infirmerie, deux médecins, psychologue. Non, on s'en fout. Trouver des stupéfiants en ligo, ça c'est facile. Je vais lancer une putain de fouille. Parce que on va rigoler, on est déjà en mode danger, j'ai envie de te dire. Autant lancer le. Autant lancer ça. Comme ça au moins ça va être la bonne baston. Mais une laverie aussi, il faut que je mette une laverie, ça c'est important. Je suis d'accord. Je vais passer en mode normal. Mettre un peu de béton aussi là parce que sinon ça va être trop lent. On va dire que je suis pété de thunes aujourd'hui. Attends, il faut qu'il fouille les piles de rondins. Quoi ces trucs? Porte de prison, une laverie s'il y a du monde. Attendez, hop, il faut quoi dans une laverie? C'est à buanderie. Intérieur, lave-linge, panier à linge et planche à repasser. D'accord. J'ai peur pour ton strepol là. Jusque dans l'infirmerie, les gens ils se tabassent. Et vous dire s'ils ont envie de se tabasser. Je suis qu'à 50% en termes de drogue là. Allez! Je vais en avoir plus! S'il vous plaît, j'ai 90 prisonniers. Je dois bien trouver un peu plus de drogue illégale. Enfin, ça me semblerait bizarre de trouver que 5 stupéfiants illégaux. Eh bah si. Bizarre. Par contre, je pense qu'il va me falloir... Donc déjà, hop, hop.
Déploiement. Toc. Infirmerie, je vais peut-être rajouter un lit parce que j'ai l'impression que tout le monde est en train de crever dans ma prison. Ensuite, la buanderie, parce que là, ça commence à devenir indispensable. L'enchère passée. Le lave-linge et deux paniers à linge. Ok. Ça sera déjà pas mal. Il va me falloir aussi que... Ok, donc c'est fini. J'ai trouvé que 10 stupéfiants illégaux, ça me paraît bizarre. Superposé, ça vaut tellement cher. C'est encore pire là pour le coup. 12, 16, 20. Ils sont 40 par cellule quoi. Non, 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 attendez, je compte comme de la merde. 8, 10, 12. Ah non, c'est 24. Je disais de la... J'étais en train de dire de la merde, ils sont juste 24. C'est 24, c'est quand même pas mal pour une cellule. Déjà vite insupportable à 2, mais alors à 24. L'électricité, ça m'a... Merde. J'ai cassé le truc. Voilà, la morgue, peut-être qu'il faudrait que je mette des trucs de morgue aussi. Étant donné qu'il y a régulièrement des massacres chez moi, c'est toujours un peu chiant. Ok. Ah, il faut que je fasse venir l'électricité jusque là-haut. Je vais donner une médaille à ceux qui ont bien voté. J'ai pas voté moi. J'ai peur de cliquer sur son sensropol. Je viens de cliquer dessus. For Honor. For Honor, c'est mieux. For Honor, c'est mieux. Ah bah ça. Ce genre de... De vote complètement impartial. Bien. Donc là ils mangent tous bien sagement, faut que j'achète plus de cuisiniers. L'électricité passe pas jusqu'ici, bizarrement, ok. Est-ce qu'ils arrivent à bouffer sans se taper dessus? On dirait. Ce qui est quand même un petit miracle. Ça, c'est de la cuisine bien balèze, là. Au cas où. Continuer de déployer un peu, là. Il manque la flotte, là-haut. Mais la connerie, hein. Qui a voté Borderlands? Ok, accélération du temps. Le moral et ça va. Le moral ça va. Bon. Ah bah oui, c'est vrai que cette partie là ça va moins bien marcher si je lui mets pas. Je lui mets pas ce qu'il faut. Ça fait des gros dortoirs. Ah quand même, on commence à avoir le premier linge. Très bien. C'est plutôt gentil comme goulag, c'est juste qu'ils sont extrêmement nombreux et extrêmement calés au même endroit quoi. Mais c'est pas vraiment le goulag que j'imaginais, mais en même temps ce jeu, si on commence à faire n'importe quoi, ça part vite en cacahuète et en fait on tient plus le coup. Malheureusement. Donc on peut pas vraiment faire n'importe quoi. Ça se tabasse quand même. Ah, il essaie de sortir lui.
Il essaie de sortir, il a pas réussi. Si je crois que je cherchais, c'était des concierges. Donc il le heal. Ça se tabasse. Logistique. Demande 89, offre 11. Seulement 11 ? Ou c'est juste qu'ils n'ont pas le temps de tout faire ? J'arrive pas à le... Ah, c'est vrai que je vais falloir que je m'occupe un peu de la température sur une partie. Ok, je sais pas s'ils arrivent à tout faire en fait, c'est un peu bizarre. Je vais mettre un radiateur. Ouf, je commence à fatiguer moi de mon côté. Quelle heure? Ah, il est déjà 23h08. Oula. Bon, bah pour un des derniers streams, c'est plutôt pas mal déjà. Elle est haute ma prison du coup. Carrément en longueur. J'ai 115 places, sachant que 33 prisonniers arrivent soon. Donc ouais, c'est pas encore bon là pour le coup. Insuffisant évidemment. Électricité qui va pas assez loin. Merde, ça se tabasse. Ils arrivent à ne pas tous les tuer, ce qui est bien. Ils sont nombreux, hein. Pouf. Ah d'accord, en fait, il faut que je remette un truc d'eau chaude, sinon ça passe pas. Point insuffisant. Ah ouais, ça y est, j'ai plus de thunes. J'ai malheureusement plus de thunes encore. Voilà, ok. On va construire ça. Comme ça, au moins le radiateur sera bon. Ok. Malheureusement, plus de thunes. Comment je pourrais gagner un peu plus d'argent? Parce que là, je suis vraiment dans la merde. Je pourrais faire travailler là aussi. On peut en faire travailler 10. On va les faire travailler. Je peux pas les faire travailler parce que j'ai pas... Ils sont pas qualifiés. Bon là ils devraient être plutôt contents. Besoin. Sommeil est en train de réduire. Nourriture ça va. Confort ça va. Oh franchement. Intimité c'est pas en couille, c'est normal. 18 prisonniers ont un besoin désespéré de ceci. Ah ben, désespéré carrément. Vêtements, drogue, alcool, produits de luxe, ça va. Hygiène. Très bien, ça a l'air d'aller. Tout le monde qui est dehors là. Ah et du coup, avec les histoires de déploiement, je dois pouvoir déployer au bon moment à tel endroit. Oh putain, je peux faire tellement de trucs. Moyen de sécurité, prenez sécurité. Oula, j'en ai mis un au mauvais endroit, j'ai l'impression. Voilà, hop. Bah putain. C'est quand même vachement complexe, comme je me dis que si je m'y plongeais vraiment profondément. Ça pourrait être vraiment pas mal. Malheureusement, j'ai trop de jeux à faire. J'ai beaucoup trop de jeux. Alors, est-ce que je peux acheter encore des superposés? Déjà, j'en ai un que j'ai pas à payer.
Faudrait que je mette des... Faudrait que je mette les chiottes d'abord. Ça a pas l'air de passer en fait, j'ai oublié de passer par le mur. Je mette les chiottes. Mais oui, je vais aller voter sur ton Stropole. Pourquoi Rekaya devait avoir un badge? Ce serait un bon modo, il est quand même vachement marrant, je sais pas, Forner c'est mieux. Parce que c'est trop bien les badges, je mérite surtout un badge en forme de couille ce PD. Genre de Stropole. Ça se tabasse? Ah, les bonnes bagarres matinales comme on les aime. Ce genre d'enfer où tout le monde... Ce genre d'enfer... Oh putain, ils sont 122, ouais, d'accord. Tout à fait normal que ça tienne pas le coup. 32 prisonniers soon. Je pense que... Ça va pas tenir. Pas de problème, Chaotic Shade, pas de problème. De toute façon, désolé du retard, c'est un peu dommage parce que moi je vais un peu arrêter. Je suis bientôt affilié Twitch. Je suis bientôt affilié Twitch. Attendez, je vais regarder un peu ce qui me manque. Il me manque, pour être affilié Twitch, il me manque encore un stream. C'est-à-dire qu'il faut que je diffuse un autre jour d'ici pas longtemps. Parce que... Une diffusion tous les 30 derniers jours. Je pense que je suis pas mal en termes de diffusion actuellement. Du coup, je dois être bien. Il manque une diffusion en fait. Il faudrait que je diffuse demain ou un truc comme ça et puis ça sera bon. Voilà. Hop, j'en étais où? Maintenant que tout le monde est mort. Ah, il manque une porte. Forcément, tout le monde ne peut pas rentrer dans cette cellule. Demande la conditionnelle, mais j'ai vraiment pas de place dans cette prison. J'en gagne 25 par jour, c'est débile. Encore je suis gentil, c'est plutôt 30. Je suis déjà à 121, c'est le jour 7. Le jour 7, putain! À peine de la place. 132, là ça va passer, je vais déployer un peu. 9 ici, un peu plus ici. Il va falloir un peu plus de monde dans les douches, parce que les douches, on sait tous que commencer en prison, c'est un peu la merde. Le badge en forme de couille a l'air magique quand même. Ça serait cool. Ça serait cool, mais en même temps, je me dis que ça passerait pas dans les conditions de Twitch. Je sais que Twitch, c'est un peu trash parfois, mais ça passerait pas. Et puis, d'une manière générale, c'est pas super, quoi. Même si je dois avouer que l'idée serait pas mal. On pourrait faire une sorte de couille stylisée. Ou un truc qui ressemble à des couilles mais qui n'en sont pas. Oula putain, par contre y a tout le monde là-dedans. Mais faudrait peut-être vous sortir de là. Je sais pas, on a assez de cellules maintenant. Normalement on devrait avoir assez de cellules. Que là il m'en faudrait 9. Donc il m'en faudrait pour 23 prisonniers. Ouais. Encore un petit quart d'heure. Moi je pense que je vais encore stream un petit quart d'heure. Parce que je suis vraiment fatigué aujourd'hui. J'ai fait pas mal de choses. Hop, je vais vendre des items là. Hop. On va essayer de faire. Parce que j'ai assez de thunes pour faire un nouveau. J'ai assez de thunes. Nouvelle zone carcérale. Nice. C'est ballot, je crois que j'atteins mon maximum de spectateurs à la fin du stream. Toujours moi. C'est toujours moi.
Et c'est le dernier stream, malheureusement. Enfin, un des derniers streams. Peut-être que j'en ferai un la semaine prochaine, je sais pas. Je vais regarder mon emploi du temps, tiens, d'ailleurs. Pendant qu'il... mettre en vitesse normale. Au cas où. Oh, putain de merde. Déjà, ce week-end, je vais être pas mal occupé. Lundi... je vais me lever à 9h le mardi. Éventuellement mardi, peut-être mardi du coup, pas mercredi, surtout pas jeudi, parce que ça va être... jeudi soir j'ai préparé mon déménagement le vendredi, et puis vendredi c'est fini, je peux plus rien faire. Malheureusement. Bon, si c'est possible, peut-être que c'est possible, peut-être mardi. En tout cas pas demain malheureusement, parce que je suis bloqué, je suis occupé. Mais peut-être mardi. Là, ce soir, je suis en train de tomber. Hein. En train de tomber de fatigue. Je vais vendre. Hop. Très bien. Ça, c'est du bâtiment. Moins 900 en lumière, waouh. Allez, c'est parti. On va encore faire la même bouse. J'ai pas de copier-coller, je crois, encore. Construction rapide. Ah si. Point insuffisant. Il faut 4000. Carrément pas assez. Il me reste à trouver 10 stupéfiants inégaux pour avoir les derniers sous-sous qui me manquent. J'ai du plus 6000 mais c'est pas assez. En termes de flux de trésorier c'est pas ouf. Comment je pourrais trouver les derniers sous-sous qui me manquent? Étant donné que mon personnel est un peu désœuvré, je pourrais démonter les arbres et vendre les arbres. Est-ce que je peux y aller au moins là-bas? Ou est-ce que c'est complètement bloqué? Ah, ils sont quand même en train de construire des trucs. Donc je déploie un monsieur. Ok, un peu d'électricité, c'est déjà bien. J'en suis où de mon électricité, ça va. Un peu d'argent, donc ils peuvent y aller. On va accélérer le temps. Un décès, quoi? Ah bah ça a été vite expédié. Le mec il est arrivé, il est mort. Tué pour avoir balancé. Oh dur. Des bonnes guerres de gang. Parce qu'on aime ça les guerres de gang. Tué pour avoir balancé, c'est... Ok, donc là ça va. Je commence à avoir un peu plus de thunes. C'est quoi Batman en Russie, Blyatman? C'est comme Blyat. Je sais pas parler russe. Hein. Alors, hop, un peu d'argent. Allez, s'il vous plaît. Voilà. C'est vrai que la Russie vient de réélire Poutine. Les bonnes réélections de Poutine, comme depuis 25 ans. Non, nous ne sommes pas un régime dictatorial. Trop drôle. Enfin, trop drôle. Non, pas drôle.
C'est quand même pas ouf, mais bon. Je vais faire un... On est calme. Je vais lancer une... Ah non, c'est... tout le monde se barre. Poutine et la démocratie dans ta gueule. Ouais. Il vient chez toi pour te donner un peu de liberté à la Trump, mais non, mais c'est Poutine en fait. On dirait que ça explose, mais en fait c'est juste des arbres qui tombent au sol. Et bim, la blinde de thunes. Après c'est bizarre la Russie quand même comme endroit, hein, parce que déjà c'est un pays tellement grand que qui va de l'Europe à l'Asie. Donc faut se dire en termes de culture et de diversité, ça doit être un truc de gros malade. Donc forcément, quand t'es chef d'un truc comme ça, toujours un peu bizarre. Si je connais perso. Ah putain, diversité, sérieusement, tout ça parce que j'ai dit diversité. Bien, nous avons des blagues pas drôles ici. Alors, j'ai une chaudière pas loin, est-ce que ça va suffire? Ah, est-ce que ça se tabasse? Inconscient. Faudrait peut-être que je mette un peu plus de trucs à l'infirmerie. Du coup, j'ai un peu plus d'argent quand même. Il manque quoi? Toilette. Ça va arriver. Donc là normalement ça rentre pas encore, il m'en manque un peu, mais là ça doit arriver. Non, ça rentre pas, hein. Pourtant ils ont rajouté des lits. Ah si, c'est bon, 150. Ok, ça va rentrer pour la journée suivante. C'est le bordel. La prison a vite grandi, hein. Faudrait que je fasse des nouvelles zones pour ce genre de cellules parce que c'est l'enfer. J'ai jamais assez de place. Là-haut, peut-être. Il faudrait aussi que je fasse une nouvelle cuisine. Le moral est à 7%, mais qu'est-ce qui se passe? Nourriture. Et pas assez de nourriture? Offre 14 plus 0, ah d'accord, c'est pas du tout assez bon. Du coup c'est très mauvais. Lui il est dans le mur en plus. C'est génial. Une truelle. Oh merde. Il y a plein d'évasions. Ils sont en train de se barrer, ils sont partis à 5. Il y a des évasions. Ils sont tous barrés. J'ai perdu énormément de thunes parce qu'ils sont tous barrés. Oh bah super, je sais pas par où ils sont barrés en plus. Lui il a essayé de se barrer aussi. Ok. Malheureusement, ils se sont barrés par je sais pas où, mais ils se sont barrés. Ils ont creusé un tunnel de là. Ok, d'accord. Ah, super. Ils ont fait la grande évasion. Ils arrivent dans 2 heures. Je
Tu clonais ça. Non, hop. Ok. La grande évasion, c'est marre. Il va falloir gérer ça. Je vais augmenter un petit peu la sécurité. Patrouille. Après les chiens. Peut-être la vidéosurveillance aussi. C'est vrai que j'ai toujours pas... J'étais censé faire une cellule, un couloir de la mort, mais ça coûte tellement cher. Il faudrait beaucoup plus de thunes. Préparation juridique et défense juridique. Waouh. Temps de recherche, 72 heures. D'accord. C'est pas des trucs qui se planifient tout... Enfin, qui... Ils sont sur un coup de tête. Mais je peux prendre une nouvelle subvention. Putain, les besoins de tout le monde, c'est l'enfer. Faudrait que je fasse une meilleure cuisine en plus. Études sur l'alimentation carcérale. Retirer les réserves d'outils volés. Très bien. Bon, peut-être que ça marchera. Je sais pas comment on fait ça, tiens. Peut-être en relançant ça, mais bon. Ok, en termes de déploiement, c'est bon. Problème de chiottes, là. Ça se tabasse. C'est une nana? Il y a le droit d'avoir des nanas dans les prisons quand c'est que des mecs? Je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre, mais ok. J'aurais pas dû faire ça en fait. J'aurais dû faire ça, hop, et là mettre des petits tuyaux. Oula, je viens de lire un pavé là, qu'est-ce qui se passe? Aïe, tout le monde est arrivé. 41 prisonniers soon. De toute façon, je pense que j'aurai pas le temps d'arriver jusque là. Ah bah oui, il est 30. Ok, donc je vais juste voir si ça tient là en accélérant un peu. Grigny, la grande... Borgne, une bite sur l'épaule, trois cadavres seuls, quartier merveilleux. Je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout. Du coup, un décès. Oh super. Deux décès. Deux décès. Toujours plus drôle. Tué par gardien avec matraque. Et bim! La matraque dans ta gueule. Ce genre de violence. Cinq décès. Bien. Donc vous avez vu, ça commence à partir glorieusement en couille, hein. Ça commence à partir glorieusement en couille tout ça. Truc de gros malade. Tout le monde est en train de mourir, c'est l'enfer. C'est n'importe quoi. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête tout simplement là pour ce soir. Je suis fatigué, j'en peux plus. Même si c'était très sympa, on a commencé à faire un goulag, même si j'ai l'impression que le goulag part en cours, il va sans doute être... Cliquez pour avoir le son. Il va sans doute être... comment dire? Je pense que c'est les prisonniers qui vont prendre le dessus, là, sur notre goulag. Du coup, ce que je vous propose, ouais, on va arrêter là, je sais pas si on reprendra ça plus tard. Pourquoi tu fais pas des cellules individuelles? Parce que j'avais envie de faire un goulag, donc vraiment des trucs où empaqueter les gens et tout. N'oublie pas l'outro cette fois. L'outro du live? Ouais non, mais de toute façon j'ai jamais fait d'outro, il faudrait que je le fasse. Je pense que je vais m'en profiter d'ailleurs pendant la période où je ferai pas de live, j'en profiterai pour refaire toute l'interface du live. Bon, ça peut être pas mal. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais aller me prendre une douche, me mettre dans mon lit et me prendre un petit bouquin parce que là, je suis séché. Et puis, je vous souhaite un bon week-end puisque je ne vous verrai pas pendant ce week-end. Voilà. Allez. Passez une bonne fin de soirée et puis à une prochaine fois. Ciao les mecs.